Ah bah les gars, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui jusqu'à 16h pour de l'Animal Crossing New Horizons. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien au programme Animal Crocro jusqu'à 16h et on va s'équiper, on va prendre littéralement nos plus beaux meubles, nos plus belles décorations. Puisqu'aujourd'hui on va essayer de pimper un petit peu l'île quand même. Hein, je crois qu'il y en a bien besoin de mettre des petits meubles par-ci par-là, voilà, donc on va vraiment chiller à fond de balle. Je vais essayer de checker, de voir ce que j'ai déjà, les trucs que je peux utiliser, que je peux mettre, que je peux vendre. Voilà, de la décoration extérieure, peut-être avancer dans la forêt, on va voir. En tout cas, je ne me mets pas d'objectif en particulier dans la teuté. Installez-vous Twitch, installez-vous Discord, TikTok, et également venez sur Discord si jamais vous n'êtes pas encore sur le serveur. Et coucou la team YouTube. Merci pour les replays, installez-vous! Tatin, tatin, ok! Ok, cette musique elle est groovy, baby! Ah, cette mélodie! Oh, ouais! Allez, c'est parti! Ça va bien? Ouais, vous avez la forme? Coucou Thaïs! Salut Indicolite sur Twitch! Salut Opetsu! Choveo, salut Jay! Salut Isa! Ouais, en plus, il y a Marvin, ça fait plaisir! Salut Matouille! Ou encore Oresama, Ericat, Mopra, tout le monde la clique, Lola, Yimio sur TikTok, installez-vous, vous êtes déjà bien nombreux. Merci pour vos likes TikTok, merci. Alors, le logiciel de TikTok a eu une mise à jour ce matin, et là, je vois bien d'avant, je vois plus d'informations là. Je vois que là, il y a déjà 200 likes, etc. Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont ajouté des petits trucs. Je checkerai ça ce week-end de la team TikTok avec mon équipe pour voir s'ils n'ont pas rajouté des nouvelles fonctionnalités sur TikTok. Ça marche? Allez, on prend place et c'est parti! Ah bah, Ah, c'est parti! Non, il est 14h02. Il est 14h02, c'est un truc de dingue. Coucou tous ceux qui débarquent! Il est 14h02. Il est toujours 14h02. Quand on joue à Animal Crossing l'après-midi, c'est le timing de dingue. Il est toujours 14h02. Jamais 14h03. Pas 14h, non. 14h02. Un truc de dingue. C'est un truc de ouf. Allez, ah, ça ce jour. Il y a quelqu'un au camping, c'est ça? L'arrêter sur le coucher tardif étant... Oui! Le... Ah, voilà, ça y est. Le coucher tardif hein, qu'on a mis en place mercredi pendant le live. Hein, histoire que les gosses puissent aller bosser plus tard jusqu'à 23h. Quel bonheur d'exploiter des enfants mineurs dans une boutique pour que je puisse revendre mes objets plus tard. Oh, mais alors ça, c'est un... Alors ça, vous pouvez pas imaginer à quel point ça me met en joie. Voilà, d'exploiter des enfants. Ça me met en joie. Ah, quel plaisir. Enfin bref, voilà. C'est déjà une belle nouvelle. Merci Julie. Merci Julie qui fête ses 1 an de sub sur la chaîne Twitch. Merci Julie, déjà 1 an. Et ben ça fait grave plaisir. Te voilà avec un très joli Golden Ruby. Installez-vous, merci à vous d'être là les modos également. Allez c'est parti, mon kiki, on y va. Et merci au fait pour le follow. J'y vais parce que sinon je remercie tout le temps et après on n'avance pas, donc bah, allez on y va. Les caméras sont là, pratiquement là, je retourne à mes activités. Ouais tu vas aller boire ton petit Sky. Allez là, allez bye bye. On se croit trop à la soupe au chou là. C'est exactement la même chose. Bon ok. Ah, on m'appelle. Allô? Ton téléphone sonne. Ton téléphone sonne. Non, ton téléphone sonne. C'est qui? Allô? 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 Mélie de la boutique Nouco l'appareil. On a effectué un virement. Non, bon, il a pas la voix là du tout. Imaginez le gamin. Imaginez le gamin, il a une voix comme ça, genre. On t'a effectué un virement de 44 000 clochettes pour que tu as laissé dans la boîte de dépôt. Merci d'utiliser ce service. A bientôt. Ah bah, il a un gamin, il a mal à la gorge hein, quand même le gosse. On a 44 000 clochettes. Allez on y va. Bah alors comme d'habitude ce que je fais,
Je prends les petits colis s'il y en a. Je vais faire un petit tour dans mon grenier-grenier-temps, histoire d'aller chercher les meubles. Et là, un programme de cet après-midi. Pas de visite d'île. Je ne fais pas d'île mystérieuse. Je ne vais pas voir qui que ce soit. C'est de la déco extérieure. Voilà, donc on va essayer de pimper l'île. On va essayer de la pimper. Donc si c'est pas votre délire, on se retrouvera une autre fois. Mais là, c'est déco extérieure, exclusivement 2 heures de décoration. Pour vous montrer à quel point je suis décorationné. Vous allez voir. Allez, installez-vous pour le musée. Merci, Zoltal. Je crois que tu ne l'as pas. Je crois aussi. Merci pour les cadeaux. Et Country Kiki. Oh, bah ça fait plaisir. Merci à vous pour les cadeaux. On ouvre tout ça, on ouvre tout ça. Merci Floppy. Salut Flavia, j'adore quand tu fais des lives sur Warzone. J'adore ça, Warzone aussi, pareil. Je me bute sur Warzone. Warzone, Warzone, Warzone. Ah ouais, moi c'est un truc de dingue. Je me bute, j'adore. Statue imposante. Ah. Ah oui, elle est très 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 imposante. Ah oui, non, je l'ai pas. Ouais, non, je l'ai pas. Ah, j'ai cru qu'il faisait un de vos donneurs. Imaginez la statue, genre. Il fait un gros... D'accord. Allez, super. Bon, allez. Je vais revendre les fruits, je vais revendre les légumes, etc. Et on y va. Pas besoin d'aide, c'est gentil, Akoli. Pas besoin d'aide. Ok. Ah, cette musique, elle me met en joie. Oh là 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 là, mais en joie, très joie-tant. Salut Tara, comment ça va? Ah bah attendez, du coup, ce que je vais faire, je vais mettre mes nouvelles musiques. Oh putain, mais c'est pas possible. Oh là là, je suis parti là. Ok. Non mais il faut que j'arrête. Faut que j'arrête avec cette musique parce que sinon, bon allez. Et moi j'ai du travail aujourd'hui. J'ai du travail. Alors ok, qu'est-ce que je l'avais? Ben j'avais pas les deux musiques. Et ben super. Merci Charles pour le follow Twitch. N'hésitez pas. On va bientôt atteindre les 6700, c'est un truc de dingue. Merci infiniment. Salut Brian. Oh putain. Ah, cette musique, elle me met en joie. Elle me met en joie. Bon, ok. La grosse statue imposante. Eh ben écoutez, on va la mettre dans le musée maintenant. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord mettre ça au musée. Ensuite, je vais aller chercher mes légumes et tout. S'il y a des trucs à vendre, il faut que je le fasse. Et puis, bah, on y va. Twitch et TikTok, hein. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Salut tous ceux qui débarquent. Installez-vous, installez-vous. Installez-vous depuis votre canapé, de votre lit, de votre bureau. Ou alors si vous êtes en train de faire popo, installez-vous. Je suis certain qu'il y a au moins une personne qui est en train de me regarder actuellement qui est en train de chier. Je dis ça, je dis rien. Il y a forcément une personne actuellement qui est en train de poser sa meilleure pêche et en train de me regarder sur son téléphone. Alors surtout, ne confonds pas le papier toilette et le téléphone. Hein? On fait attention, hein. On va pas... Oh, pépite d'or. On fait attention, hein. Ok. C'est qui? Qui est-ce qui est au chiotte, là? Ouais. Qui est-ce qui est au chiotte? C'est qui est en train de chier, là? Ok. Message en bouteille. J'ai l'idée de mettre au point ce plan de bricolage pendant que je lisais un roman passionnant. C'est super. Du coup, je me suis dit que je pourrais aussi bien le transmettre. Bah merci Coco la bricoleuse. Attendez, mais c'est Coco. Oh mais Coco. Coco. Mais Coco. Mais m'envoie pas une bouteille, Coco. Viens chez moi. Viens sur mon île. Oh. Attendez, c'est peut-être un signe. Peut-être que Coco, elle va venir bientôt sur mon île du coup, vu qu'elle m'a envoyé un... Elle m'a envoyé un plan. Coco, viens sur mon île. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Hein. Viens sur mon île, Coco. Allez, viens là. C'est peut-être un signe. Peut-être que Coco va venir un de ces quatre. Oh là là, peut-être qu'elle va venir sur mon île. Coco, ramène ton fiac. Je t'échange contre Gertrude.
On veut qu'elle se barre là, on peut plus là, je peux plus me la voir. Coco la bricoleuse. Allez, viens là. C'est quand même bizarre, je parle de caca et on a Coco. C'est quand même bizarre. Salut Joe. C'est quand même bizarre. Ouais, ouais, il y a Anguille sous caillou. Oh non, mais moi je veux Coco. Mais je peux plus là. Je veux Coco. Bon, allez, elle va partir. Gertrude va partir. Gertrude, elle va partir, c'est bon. Vous inquiétez pas. Je vous l'ai dit, hein, mais elle se barre. Ce mois-ci, elle se barre. Salut, Dexa. Ce mois-ci, elle se barre. Je vous l'ai dit. Je sens les choses. Je ressens les énergies. Et ben, je vous dis que en mai, elle partira. Bon, il n'y a pas d'autres fruits. Bah non, j'avais tout ramassé mercredi. Ça met 2 jours, je crois, à pousser tout ça. Ouais, il n'y a que dalle. Ah, il y a des tapis, mais j'en ai pas besoin. Je vais faire les fossiles quand même. Pour un peu de moula. Et je devais rembourser 700 000, mais ça, on verra ça plus tard. Là, on va faire de la décoration extérieure. Ok, on va surtout la regarder. Oh, oh là 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 là, mais ça c'est un enfer. Et là ce coin là, mais c'est éclatax. Est-ce que t'as vu la beauté extérieure de Gertrude? Ouais. Ah là, je l'ai pas vu encore à l'extérieur. Mais je préfère qu'elle reste à l'intérieur de sa maison, Gertrude. Hein? Qu'elle reste chez elle. Ça serait pas mal. Les débuts de la forêt. Ah, je suis pas sûr, Joe. Hein. Je vais voir. Ça dépend du timing. Merci Noélie pour le follow Twitch. Merci à toi. Pour la moula, les coquillages se vendent cher. Ouais, je sais, j'ai la flemme, je suis une feignasse. Ouais, vous allez voir jouer pas comme vous. Je vais certainement faire des trucs que vous vous faites et que moi je fais pas, et inversement. Donc ne le prenez pas pour vous, hein. C'est juste que moi je suis une grosse feignasse. Salut Halloween. Vous inquiétez pas, elle va partir, je suis sûr. Merci à Quali, c'est gentil. Ouais, ouais, t'inquiète. Je sens que ce mois-ci, elle va se barrer. Je sens la Gertrude, là, qui est sur le départ. Eh ben, Joe, vu que t'es sur TikTok, je te montrerai sur le channel Modo. Il y a TikTok Studio qui ont fait une mise à jour du logiciel. Et je vois plein de données que je voyais pas avant. Donc, peut-être qu'il y a des trucs en plus, là, pour la modération. Je te montrerai. Oh, ouais, elle fait chier, hein, Gertrude, c'est clair. Mais c'est bon, elle va se barrer. Ça fait 4 ans que Gertrude est sur mon île. Elle est toujours pas partie. Ah. Ah. Ça vend du rêve. Ça vend du rêve. Ouais, c'est cool. T'as raison, je suis feignasse aussi. T'as raison, joue comme tu veux. Ah bah oui, dans tous les cas. Eh. Dans tous les cas, évidemment que je joue comme je veux. Hein. Mais c'est pour anticiper les... Tu devrais faire plutôt ça. Moi, j'aurais fait ça. Moi, je... Salut papa coin coin. Moi j'aurais fait ça. Moi je fais plus ça. Il y a ça aussi, t'aurais dû faire ça. Tu sais que si tu plantes un sac de clochettes, et bah t'as un arbre à clochettes. Ah bon? Tu savais que si tu prenais une canne à pêche pour pêcher les poissons, il y a un poisson. Ah. Tu savais que c'est... Oui, je sais. Je suis au courant. Je suis au courant. Ah, je vous le montre. Attendez, je vous le montre. Hein. C'est un petit rituel. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà. Regardez bien. Est-ce que vous voyez bien? Tout le monde l'a vu? Je peux rester longtemps. Est-ce que vous avez bien vu cette chose? Ça va? Tout est bon? Oui, toi aussi, Pauline, tu peux regarder. Tu peux regarder, Pauline. D'accord. Je vais... Je vais tourner l'autre côté, hein, pour les gourmands et les gourmandes. Voilà. Bon, faut vraiment avoir faim. Mais au cas où. Voilà. Vous avez bien vu? Faut avoir une loupe, hein. C'est où est Charlie? C'est compliqué à trouver, mais... où est Charlie? C'est ça la question. Est-ce que vous avez vu Charlie? J'ai du mal à le voir, mais... c'est bon? Super. Bon, bah génial. Si vous avez vu Charlie, c'est le principal. Eh ben tant mieux ma poule, tant mieux. C'est bien, ouais, un peu de recherche. C'est un jeu d'enquête, ouais, Animal Crossing. On est là. Et réveille-toi, toi là. Réveille-toi.
Oh. Oh, il fait tellement beau, hein, c'est clair, on a un soleil de dingue. J'espère que vous en avez aussi un peu de soleil, histoire de profiter de la météo. J'espère que vous en avez aussi. Ah oh, ouais, c'est vrai qu'il fait super beau. Que puis-je expertiser, je sais pas, le peu d'énergie qu'il me reste en fin de semaine. Tiens, des fossiles. Fossiles, ouah. Voilà, c'est toi mon soleil. Arrête de dire des conneries TikTok, arrêtez. Eh TikTok, ils disent trop de conneries. T'es mon soleil. Mais arrêtez, arrêtez un peu, bonsoir. Bon sang de bonsoir. Reprends-les s'il te plaît. D'accord, bon ils s'en foutent, bah c'est normal je les ai tous. Bah non c'est bon. C'est juste pour me faire un peu de moula parce qu'après j'ai de la décoration à faire. Déjà j'ai déjà un quart d'heure. Salut Popo. Tu lèves jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h Animal Crocro. Je fais 2h. 2h Animal Crossing. Et ensuite... Ah merde, j'ai oublié la statue, oui. Et ensuite... J'ai pas l'habitude de donner des statues au musée. Et ensuite, on se retrouvera ce soir puisque je joue à Genshin Impact avec la commu à 20h pour faire des donjons, pour faire des trucs. Je vais les exploiter. Enfin, je vais en profiter qu'ils soient là pour vraiment s'amuser et faire du multi. Voilà, donc si jamais vous voulez jouer avec moi, alors pas ce soir, mais un autre vendredi soir, faut venir sur le Discord. Ok? Alors, donc, je fais une donation. Voilà, je donne. Je donne ça. Voilà, tiens, une belle statue. Une statue imposante. Est-ce que j'aurai la berlue? Mais non, t'as pas la berlue, n'importe quoi. N'importe quoi, t'as pas la berlue, voyons. Merci pour les lurks. Bah voilà. C'est vrai, c'est vrai que je donne jamais de statues et tout, là. Je ne donne jamais de... Les tableaux et tout, j'oublie. Oh là là, oh là là. GG pour les level up. Ouais, j'oublie toujours les tableaux, les machins. Oh, quel enfer. Bon, allez. Allez, on y va. Donc, je fais de la décoration. De la décoration extérieure. Mon but va être de pimper un petit peu. Ça va pas être difficile, tu me diras. Oh, vu la misère de l'île. Ah, ça craint du boudin. Salut Clem et salut Titi, ça va bien? Merci Clem pour le follow Twitch. Je crois que ça va le faire en termes de... en termes de décoration. Mais bon, ça va le faire. Hein, j'ai envie de dire, il y a plus qu'à hein, finalement. Il y a plus qu'à décorer. J'ai quasiment rien fait. Voilà. Bon, alors salut, salut, ça va? Ça s'étire encore? Ça fait son petit travail, ça fait son petit sport de la journée. Bah c'est cool tout ça. C'est sympathique, hein. Ouais, ouais. Ah, l'administration, hein. Ah, c'est compliqué, là, de faire des passeports, les cartes d'identité. Ah, ça bosse, hein, je comprends, ouais. Oh, 14h en plus, oh, c'est l'heure de la digestion. Oh, c'est une galère, je comprends. Courage, allez, on y va. 1, 2, 1, 2, hein. Pensez à toutes les clochettes que vous allez voler aux habitants. Ouais, pensez à eux. Bon. Let's go. Ça va bien, Titi, super. Ça va super. Attendez, il y a deux Titi. Il y a Titi 5601 et il y a Titi 1608. Alors, il y a trop de Titi. Trop de Titi. Tue le Titi. Ah, c'est compliqué. Appris. Tant que vous vous y retrouvez, ça va. Mais c'est une galère d'avoir autant de Titi, hein, on est bien d'accord. Bon. Alors, j'ai combien d'argent, là? J'ai combien de moulas? J'ai combien de moulas? J'ai combien de moulas? Il faut que je rembourse 700 000 clochettes. Ah, ça va. Eh, je m'en rapproche finalement. J'ai 548 000 clochettes. Ça va. Il fallait que je rembourse 700 000. Ce sera fait la semaine prochaine. Bien sûr. Hein, en pêchant 2-3 poissons, hein, y a carrément... possibilité de rembourser la semaine prochaine. Le prêt, là, de l'agrandissement du garage, là. Enfin, du machin, là. Ok. Bon, bah, on garde l'argent. On garde l'argent, ça va me faire chier de dépenser 700 000. Ouais, ouais, ouais. Je vais regarder s'il y a des trucs que je ne peux pas commander avec les points miles pour la fois prochaine si jamais je dois faire de la décoration. Parce que j'ai 57 000 points miles, il s'agirait de les utiliser, que ça serve à quelque chose. Ça serait pas mal aussi, ouais. Alors, voyons qu'est-ce que je peux utiliser. Un débarras en bois. Ça peut le faire dans une forêt. Ça peut le faire. Voilà, débarras, ça peut le faire, ça je peux le prendre. Ça, non, j'en ai déjà. Ça, c'est toujours à peu près les mêmes trucs, hein, je crois. C'est toujours les mêmes meubles. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi mon thème?
Alors mon thème, c'est, j'ai envie que ce soit une forêt un peu genre un peu automnale, c'est une forêt kokiri, très forestier, avec des petits champignons, des arbres. Évidemment, c'est mieux hein, dans une forêt, dans un bois qu'il y ait des arbres. Mais bon, pour l'instant, j'en ai pas, donc on pourrait confondre. Vraiment un truc très naturel. Nature, peinture, quoi. Qu'on soit vraiment nature, peinture. Ça, c'est impeccable, par exemple. On est très naturel. On est très forêt. Hein? Ça va être génial. Ça va être au top. Voilà, ça, c'est super. Pareil, dans une forêt. Très naturel. Oh ouais, ça va être nickel. Ça, c'est top. C'est totalement dans mon thème. Oh, bah, ça aussi. Oh, bah, décidément. Eh, je suis... Oh, bah. Eh, mais je suis gâté. Hein. Oh, je suis grave gâté. Il y a tout sur mon... Il y a tout à... Oh là là là, il y a tout. Il y a plus qu'à prendre. C'est un bonheur. Ça fera impeccable à Godzilla dans la forêt. Mais oui, mais c'est normal dans une forêt. Hein. C'est grave normal. Oh ouais, ouais, ouais. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il y a des trucs sympas? J'ai l'impression qu'il y a que des trucs de merde. Je crois que j'ai déjà cette musique. J'ai pas de chance, moi, avec les... Ouais, j'ai vraiment pas de chance, hein. Ouais, bon. On va faire déjà avec ce qu'on a. Ah, parce qu'on achète, on achète, et après on revend, donc... On va déjà faire avec ce qu'on a, les petits. Merci, TikTok, de tapoter. Merci à vous, c'est adorable. Mon île, elle s'appelle Kokiri, ouais. Comme la forêt Kokiri dans Ocarina of Time, que j'espère que vous avez déjà fait. J'espère que vous avez déjà joué à Ocarina of Time. Vous savez, genre... l'un des meilleurs jeux du monde, quoi, finalement. Donc, j'espère que vous l'avez déjà fait, Ocarina of Time. J'ai fini le DLC. Waouh, t'es... Eh, t'as du courage. Aïe, 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 d'avoir fini le DLC, t'as du courage. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Mopra n'a jamais joué à Ocarina of Time. D'accord, ok, d'accord, voilà, ça va être compliqué. Ok, Mopra, je commençais à bien t'apprécier. Ah, c'est dommage, hein, de te ban tout de suite, là. Bon, allez. Je vais faire comme si j'avais rien lu. C'est pas grave. C'est pas grave. Y'a pas de soucis. Il y a une bataille de Titi, défoncez-vous la gueule. Ça fera marcher l'algorithme. Défoncez-vous la gueule, ouais c'est ça. Nous on veut du drama, on veut du sang Twitch. Allez faites-vous plaisir. La boutique Nook. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau? À l'Apple, mais c'est pas mon délire. Ça c'est pas mal. Cette plante je l'ai déjà. Ouais, pff, ouais. Je pourrais me prendre ce petit truc kit de manucure pour faire mes ongles, manucure. Ah ouais, je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Oncle, manucure. Ouais, pourquoi pas. Mais non, c'est pas mon deal. Non, c'est pas mon deal. Non, non, ça va. Non, non, ça va. Non, merci, ça va le faire. Non, non, merci. Non, merci, les amis. Voilà, je vais juste revendre tout ça et ce sera pas mal. Et les hippopotames seront bien gardés. Voilà. Hop là. Je vends quand même. Ouais, je vends la branche d'arbre. Oh, je suis un dingue. Je revends la branche d'arbre. Je fournis le ring si vous voulez. Ah bah faites-vous plaisir. Le ring est offert par Val. Chauveo n'a jamais joué à Ocarina of Time. Oh là 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 là. Ça devient compliqué là de lire le chat. Ça devient compliqué de lire le chat là. Ça devient compliqué. Le meuble de salle de bain, dans le fond, je suis cher. C'est clair. Ouais ouais non mais c'est clair. Salut, je suis cher. Eh bah salut cher. You believe love of love. I can feel something. Ok. Bah allez, on y va. Décoration extérieure. Salut Naya. Non, pas besoin du mode lent, je lis très bien. T'inquiète, ça va. En général, le mode lent, c'est quand on est une centaine. Là, ça va, je sais pas combien on est, mais c'est plutôt fluide. Salut Simba. Ouais. Joe a le ban facile en ce moment. Elle a besoin de week-end. Hein. Joe ban très vite. Donc, soyez sympa. Avec elle, parce que moi, je fais confiance. Si elle a estimé que le ban était nécessaire, elle ban. Soyez sympa avec Joe. Voilà. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Je ne veux pas de plate. Bon. Alors, on va ouvrir le grenier. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser pour pimper ma décoration extérieure? Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans que je peux utiliser pour l'extérieur? Un bambuche. Ouais, je peux le prendre. Des chiottes. Ouais, des barres, on sait tous que c'est des chiottes. Des chiottes. On peut le prendre. Ça, on peut le prendre aussi pour l'extérieur. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre pour faire la déco? Ah, bah attendez, non, c'est mieux ça.
C'est mieux ça les chiottes là. C'est grave mieux. Salut Black Arou. Heureux. Bah t'étais là il y a trois secondes Titi. Titi, si tu te barres juste 2 minutes, c'est pas la peine de dire re, hein, j'avais pas vu que t'étais parti. T'es genre parti 2 minutes. Et vous êtes pas obligé de me le dire quand vous revenez d'ailleurs, hein. Ok? Moi je le vois pas. Bon, alors des plantes. Ça je vais prendre les plantes comme ça. Hop, ça ok, je vais en prendre 2. Ah oui, ça, le trésor. Ça, il faut que je le mette dans mon coin pirate. Avec ça. Très piratant. Voilà. Ça, c'est horrible. La termitière, là, c'est horrible. J'en veux pas, ça m'ennuie, ça fait peur. Ça, ça fait grave peur. La casserole de camping. Ouais. Qu'est-ce que je vois d'autre? Qu'est-ce que je vois d'autre? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça, c'est pas mal. Ah, mais c'est peut-être pour le musée, ça. Je sais pas. Il y a un scorpion? Oui, je crois qu'il y a un scorpion. Attends. C'est plus bas, je crois, le scorpion, non? Là, il est là. Le modèle de scorpion, je l'ai, ouais. Ok. Ça, il fallait que je le mette dans ma cuisine. Mais ça, j'ai dit extérieur, pas intérieur. On fait extérieur aujourd'hui. Le tas de bûches, je peux l'utiliser pour faire un peu de décoration. Ça peut le faire. Du PQ dans le bois. Ouais. Du PQ, ça peut le faire aussi. Du papier toilette. Ouais. Une baguette en... Ouais. Bon, on sera bien déjà pour commencer. Après, je pourrais faire des rondins, des trucs comme ça, ouais. Ah, les clôtures végétales. Ça, je peux les prendre aussi, ça sera utile. Oh, mauvaises herbes aussi, ça peut être sympa. Eh ben écoutez, c'est bien. On va déjà mettre ça. Ça sera pas mal. Hein? On va voir ce qu'on peut faire avec tout ça déjà. Parce que il y a plein de choses à faire. En vrai, tu penses prendre qui quand Gertrude partira? Alors, si j'avais le choix de choisir, Tara, à la place de Gertrude, je prends Coco. Si j'avais le choix. Voilà. Moi, mon ultime souhait, ce serait que Gertrude se casse. Et que Coco la remplace. Bon alors là, c'est bon, là c'est bon, l'autoroute du bonheur. L'autoroute du bonheur. Mais on n'en est pas encore là, tu sais. On n'en est pas encore là. Mais on sait jamais, hein. Peut-être qu'elle partira. Mais moi je suis sûr qu'elle partira ce mois-ci. Ah, je croyais que je l'avais pas fait celui-là. Ok, alors. Donc les amis. Ici à la base, je vais vous montrer la carte. Alors moi je suis vraiment pas doué, on va faire avec les moyens du bord. Vous voyez, voilà ma carte. J'ai mis tous les habitants du côté droit. En haut il y a un petit bois. Et là ce que j'aimerais faire dans le coin en haut à gauche, ce serait une sorte de forêt. Un peu comme la forêt Korogu. Où en gros il y aurait un arbre en plein milieu. Il y aurait une sorte de, je sais pas, de cloison autour avec des arbres, etc. Avec une épée. J'aimerais vraiment faire une forêt, vraiment un truc waouh, un truc qui en jette. Donc je sais pas comment encore faire ça. Je réponds aux questions, je ne peux pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller sur Pinterest, j'ai pas le temps d'aller checker à droite à gauche, j'ai vraiment pas le time. Donc j'ai pas envie de m'inspirer, j'ai envie que ce soit fait avec le peu de talent que j'ai. On va faire ça, même si c'est pas parfait. Eh ben écoutez, ce sera fait, ce sera 100% ma création et puis on verra ce que ça donne, écoutez. Hein. Mais un truc sympathique quoi, on peut faire une belle forêt. Forêtante. Voilà, on va faire ça. Mais du coup, il faut que je rebouche cette... D'abord, il faut que je rebouche ça, là. Il faut que je rebouche cette merde et que je refasse une rivière une prochaine fois. Voilà, voilà. Remodil. Salut, Gray. Je viens de me détendre après mon entretien d'embauche chaotique. Aïe. Aïe, aïe, aïe. On t'envoie de la force. T'es pas passé sous le bureau, c'est ça? Ah merde, t'as fait vraiment un entretien? Ah, j'arrête pas de vous le répéter la commu. Ah, je suis désolé Gray. Si jamais vous voulez un travail et que vous voulez être sûr d'avoir votre travail, si vous avez un poste que vous voulez absolument avoir et que vous avez peur d'échouer et d'avoir un entretien compliqué, passez sous le bureau. Il y a rien de tel. Le bureau, c'est les portes de Narnia. Ah, c'est l'ouverture à un travail. On passe sous le bureau et vous allez avoir direct votre
votre travail. Il voulait pas que tu passes sous le bureau? Bah attends, comment ça? Attendez, mais moi on m'a jamais refusé que je passe sous le bureau, hein. Comment ça, il voulait pas? Parce que moi j'ai réussi à chaque fois, hein. J'ai jamais échoué un entretien d'embauche. Alors là, je suis grave choqué. Bon, on t'envoie de la force, Gray. Et si c'est pas ce travail là, ce serait un autre, t'inquiète, courage. Bon, et s'il faut que je vous fasse des cours de comment on passe au bureau, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Bon allez, let's go. Oui, le principal c'est que ça me plaise, hein, c'est ça. Bon, hey, mon île elle est pas parfaite, hein, et elle le saura jamais. Voilà, je ne veux pas. Je veux que quand les gens ils viennent chez moi, ils me disent oh, elle a du charme ton île. Elle a du charme. Oui. Elle est très charmante. C'est gentil, merci. Ouais, vraiment, je la trouve très charmeuse. Tu as tous les fruits ou pas? Ouais, j'ai tous les fruits. J'ai hâte. Ah ouais, toi t'es quelqu'un de naturel. Ça se voit, ouais. T'es quelqu'un de naturel. Elle est originale. Elle est originale. Ah oui, moi j'aurais pas fait comme ça. Ah oui, non. C'est la pire phrase. Ouais, c'est ça, Mopra. Ah ouais, ouais, elle est vraiment... T'es vraiment naturel comme personne. Oui, vas-y, dis-le. C'est parce que je suis pas maquillée, c'est ça? C'est parce que je suis dégueulasse? Non, pas ça. Mais je trouve vraiment... naturel. Ah, oh, ok. D'accord. J'avais peur. Nature pâture. Canaille. Allez, on y va. En tout cas, après-midi, décoration. Non, il faut avancer parce que là, c'est n'importe quoi. Eh, je suis sincèrement désolé, mais c'est un peu n'importe quoi. On a, voilà, là, est-ce que ça ressemble à un bois ou une forêt? Enfin, il y a un moment... mais stop, quoi. C'est un truc de dingue. Je peux plus, là, c'est relou, là. Eh, elle est horrible, là, le bois ou la forêt. C'est bon, allez, on y va. On travaille. Faut bosser, là, boulot, boulot, boulot. Est-ce que je peux prendre les... Je peux pas les prendre comme ça. Je peux pas prendre les... Non, je peux pas. Il faut que je mange d'abord. Comment je dois faire? J'aurais mis les... des arbres ici, des bambous. Ah, il faut peut-être que je mange d'abord des fruits pour les déplacer, les arbres, c'est ça? Ouais, il faut que je mange un fruit. Je vais aller en acheter, j'en ai plus, j'ai tout vendu. Ah bah si, j'en ai dans mon grenier, je crois. On va manger des fruits. 5 fruits et légumes par jour. Ça fait plaisir. On va bien travailler. Bon ouais, faut bosser parce que c'est bien marrant de rigoler tout ça. Mais faut travailler dans Animal Crossing. Faut bosser, hein. Merci pour les follow également sur TikTok et merci de tapoter, merci à vous. Alors, allez, on va grailler. On va grailler des fruits. Oui, j'en ai, regardez. Oh, oh, cerise, cerise. Cerise. Coco, coco, coco. Oh là, ça pète. Quelqu'un est en train de... Il y a quelqu'un qui est en train de digérer, là. Ouais. Ça pète, ça pète. Bon, allez, je prends tous les fruits. Allez, hop là, on y va. Bah ouais, il faut... Hey, faut bosser un peu, hein. Il est temps d'y aller, hein. Allez, on y va. Tu sais que ton débarras, c'est aussi ton grenier? Ah bon? Ah non, je savais pas. Ah bon? Attends, mon débarras, c'est quoi? Ça? Ah oui? Mais non, mais je savais pas. Ah, mais c'est trop bien. Mais je le savais pas. Ah, d'accord. Ah, mais génial. Comme ça, j'ai pas besoin de faire des allers-retours. Eh ben, merci beaucoup pour cette info. Bah non, je savais pas. Eh ben, ça va bien m'aider. Bah, vous savez, moi, je... Eh, dans Animal Crossing, pour moi, il y avait que les... comment, les commodes, c'était juste pour les fringues. Sinon, je savais pas qu'il y avait un raccourci. Et tu peux ranger plusieurs choses en même temps. Eh ben, écoutez, on en apprend tous les jours. Non, je savais pas. Bah, trop content. Ça va, et toi, Octali? Oh, bah ouais, écoutez, trop bien. Bah, je savais... comme quoi, on en apprend tous les jours. Et c'est ça qui est beau. Hein, ça fait plaisir. Oh bah c'est trop bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on mange. Ouais, ouais, ouais.
C'est dingue. Coucou, tu savais pas quoi? Je viens d'arriver. Que le débarras a utilisé Ah bah je suis pas le seul à pas savoir. Eh bah écoutez, super. Eh bien tant mieux, TikTok et Twitch, ça a pu vous aider. Le débarras, en fait, ça a raccourci par rapport à votre rangement dans le grenier de la maison. Ah mais génial alors. Eh bien tant mieux si ça a pu vous aider aussi. Et on en apprend tous les jours. Ça fait plaisir. Alors là je vais manger des fruits. Et puis on y va quoi. Salut Data. Et puis on y va, on donne tout. Ok. Ah c'est pas grave, ça pas... si elle doit être terminée la prédiction, mais elle a pas été validée, c'est pas grave. Elle sera validée un jour, Inch'Allah. Ah tu savais pas non plus. Bah voilà, bah écoutez, hey. Bah, c'est bien, je suis content. Allez, on y va. Eh bah comme quoi, hey, on n'est pas seul à apprendre des trucs. Non, j'étais pas au courant. Ça fait plaisir. Alors, les amis, on va essayer de travailler. On va bosser. Alors, je vais prendre les bambous. Je sais pas comment je vais les utiliser, comment je vais les mettre. Moi, je voyais un peu une sorte de... peut-être de cercle. Genre une forêt où il y aurait un cercle. Où on aurait un truc en... On aurait un arbre, un truc en plein milieu, quoi, finalement. Pour pas qu'on puisse aller dans les... qu'on puisse pas sortir de n'importe quel côté. Donc je sais pas comment je peux faire ça. On va essayer. C'est trop bien, hein. Bah ouais, on apprend tous les jours. C'est chouette. Merci. Bah pas de jugement, bah pas du tout. Et y a des trucs. Vous savez que moi je joue encore à Breath of the Wild. Et j'apprends encore des trucs sur Breath of the Wild. Le jeu il est sorti il y a 7 ans, donc pas de jugement, hein. On en apprend tous les jours et c'est ça qui est beau. Puis les gens qui vous jugent, Eh hey. On leur pisse dessus. Pipi dessus, voilà. Ok. Allez, let's go. Alors, donc là, on est là. On est là. Est-ce que je mettrai pas Est-ce que je mettrai pas, genre... Je vois, genre... Alors, je vais vous montrer comment je vois les choses. Genre, tu viens ici. Tac. Ici, je mettrai peut-être des... Je sais pas, peut-être un mur. Je sais pas. Et en gros, la forêt, je la vois... Je la vois ronde comme ça. Je vous fais la démarcation de la forêt, hein. Genre en rond. Donc je sais pas si je mettrai des buissons ou je ne sais quoi. Voilà. Comme ça ici. Je peux mettre, je sais pas, peut-être des fontaines. Des fontaines, genre tu vas dans une allée, un truc sacré. Et en plein milieu, en plein milieu, ben je mets l'épée. Je mets des statues un peu comme ça, un peu abandonnées. Et puis des petits accessoires. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être chouette. Je vais voir ce que je peux faire. Alors je ne sais pas si tout est possible dans Animal Crocro, parce que je connais pas encore le délire. Mais j'aimerais bien faire ça. Donc est-ce que je fais est-ce que je fais des murs végétaux? Je vais essayer, hein. Ça va pas faire beau, hein. On est vraiment au début, hein. Où est-ce qu'il est le truc végétal? Il est là, là, là. Voilà. On va voir. Est-ce que déjà je peux mettre ça sur l'escalier? Ah super. Donc déjà je peux faire un bail. Ok. Donc déjà je peux commencer à faire une entrée. Bon, ça risque pas de rester comme ça, mais c'est pour donner une idée. Genre vous voyez, soit ce serait un truc végétaux comme ça, ou soit ce serait en mur. A voir ce que ça donne. Est-ce que je peux mettre un bambou juste ici? Ah, je peux pas. Alors, les bambous, je peux pas les mettre là. Ah, merde. Ouais. Donc, I can't. Ça va, bonne? Je vais voir, Twitch. Je vais voir. Moi, je vais vraiment... tester plein de choses, hein. Je suis pas pressé, hein, pour la forêt, hein. Vous l'avez bien deviné, hein. Je prends mon temps. Mais j'ai envie de faire les trucs tranquillement. Ah, je peux pas le tourner? Ah, si, t'es dans l'autre sens. Ouais, je... Ou comme ça? Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est plus joli. En plus, ça prendrait plus de... Je sais pas. On dirait pas une bite.
Bon, après, ça me dérange pas, hein, mais ouais, non, on va mettre dans l'autre sens. Ouais, on va mettre dans l'autre sens. Ouais, ouais, ça me dérange pas, hein, mais bon. C'est pas du tout la forêt là que j'ai envie d'aller. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça ressemble, hein. Ouais, ouais, on est d'accord. J'ai pas envie d'aller dans cette forêt là. Ouais. En tout cas, pas aujourd'hui, il est trop tôt. On ira une autre fois. On est d'accord, hein. On est d'accord, ouais, ouais, donc on va éviter. Je suis choc barre de baiser. Merci Tessie pour le follow. Oui, non, mais voilà. Ça fait plaisir. Ouais, vous arrivez toujours sur des moments incroyables, hein, c'est dingue. Alors, ok. Ça, je vais les ranger. Histoire de se faire de la place. Ok. Voilà. Alors, du coup. Alors, du coup. Du coup, complètement crazy. Du coup, le débarras, je le place là. Voilà. Ah, ça marche pas. Ah, il y a un cadeau. Et du coup, je peux ranger mes trucs dedans. Mais c'est génial, je savais pas. Bon, après, c'est le but d'un débarras, hein, mais bon. Le jeu, je le prends pas au premier degré à chaque fois, donc je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des pulls manches imprimés. Super, on va le mettre dans le débarras. Quel enfer. Quel enfer. Merci pour les lurks. Merci beaucoup. Merci Tessie qui prend un sub niveau 1. Merci à toi. Merci du soutien, ça fait bien plaisir. Merci beaucoup. Alors, donc ça... Putain, mais je suis con. Donc ça... C'est la première fois que j'utilise ça. Donc je range. Donc je prends ça. Et je range là. Oh putain, mais c'est trop bien, mais je savais pas du tout. Hein. Je savais pas du tout ce truc, je vous jure. C'est un truc de dingue, je savais pas. Ok, genre là, hop, hop, hop. Mais j'apprends des trucs de malade. Ok, génial. Mais trop bien. Ça fait grave plaisir. Merci pour le sub. Ok. Alors, est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des... est-ce que je fais une construction en mur? Ou alors je fais construction que... ou alors je fais construction que en végétaux. Merci, ouais, pour le sub, c'est adorable. Merci beaucoup. Ah, j'ai un truc, j'ai un ticket miles. Qu'est-ce que je fais, bon sang de bonsoir? C'est vrai qu'après, je pourrais mettre ma maison ici, ouais, mais... Ouais, non, j'aime bien le côté un peu forêt. Ok, on essaie avec un mur pour voir ce que ça donne. Et moi, je suis nul, hein, je vous le dis. Ne triquitez pas. Et, attendez. On va voir ce que ça donne. Admettons, ok. Admettons. Est-ce que je continue un petit peu là? Moi je vois bien la place centrale, genre là quoi, le truc sympa. Attendez, là on est où par rapport à la carte? La carte bien écartante. Ouais, c'est pas mal ici. Si je mets le... Genre là, si je mets un truc sympa là. Genre ici c'est l'épée ou je sais pas, c'est le... Je sais pas ce qu'on pourrait mettre ici mais... ça pourrait être sympa. Je vais mettre un totem, un truc... C'est où le totem? Hôtel interdit. Voilà. Comme ça, je sais que c'est ici, ce sera le truc central. Ok. Alors, let's go, on y va. Bah écoutez, je teste et puis on verra. Faut avancer, il faut avancer dans la forêt là, yolo. Hein. Il faut y aller. Hein. Allez, on bosse. Quitte à ce que je rajoute un peu de verdure, etc. On verra. Allez, on travaille. Ça bosse. N'hésitez pas, oui, la team TikTok à venir sur Twitch. N'hésitez pas. Ça travaille. D'accord, ça déconstruit également. C'est super. Et c'est vrai que c'est un par un déjà. Un bloc par un bloc. Ouais, je bosse, Isa, je bosse. Je donne tout. Je charbonne là, tu vois pas? Je sue du cul là, je sue. Allez, on arrête là. Oh, c'était fatigant. Ouh là là. Je bosse trop là. Ah, on va faire une pause. Oh là là, c'était très fatigant. Oh bordel. Oh, c'est fatigant de travailler. Il fait chaud.
Bon allez, on continue. Oh là, quel bordel, quel bordel. C'est horrible. Ah merci Joe. C'est la vers Zelda. Oui, je vais changer le sol, ouais, vous inquiétez pas. J'ai déjà en tête ce que je vais faire. Admirer l'artiste. Ça commence à avoir une bonne tête. Bah j'espère. J'espère, écoutez ma foi. Faut croire. Attendez, ça, je vais le décaler pour continuer mon rond. Faut croire. Eh ben au pire, c'est la forêt là. Elle est pas assez grande. Eh bien ici, je mettrai ma maison. Quelque part. Au cas où, si vraiment... j'ai fait combien de carrés? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sérieux, c'est bien le... Ouais. Fabien, je vais faire un edit sur Tagliatelle. Tu voudras que je te mentionne sur la vidéo? Oh, bah vas-y, je veux bien voir. Avec plaisir. Avec plaisir. Salut, Lucas. Putain, je sais pas viser. Je ne sais pas viser. Voilà, ok. 1, 2, 3, 4. Bah, j'espère que ça fera joli. Alors, je les aime pas trop, mais je mettrai certainement les créatures, là, les gyroïdes. Je mettrai les gyroïdes. Pour faire comme si c'était des Korogu, mais je les aime pas. Là, on est pas mal. Oui, mais la maison de Gertrude, oui, c'est vrai qu'elle est à côté. Hein. Ouais. Ouais, ouais. La maison de Gertrude, elle est à côté, c'est sûr. Mais elle risque pas de rester longtemps, Gertrude. J'aime trop Gertrude, t'as pas de goût en fait, elle a trop de flow. D'accord, Lucas. D'accord. On est d'accord, Lucas. Et je vais éviter de répondre, hein, parce que déjà tu t'appelles Lucas avec un K. La vie t'a déjà bien pas trop gâté, Lucas. Donc je vais éviter de répondre. Ça marche? Allez, Lucas. Lucas K, je dirais même. Merci Lucas. Salut Nicolas, comment ça va? Canaille. Ils sont cons, hein. Lucas K, ouais, c'est Lucas K. Mais, hey, mais arrêtez de clasher les plus grands, un moment. Après, ça va chouiner. Après, ça va chouinax. Je crois que c'est pas mal, non? On est pas mal, hein. C'est l'écriture anglais. Ah oui, c'est vrai, ta culture se résume au manga. Bon, toi, ta culture, en tout cas, ne se résume pas à l'orthographe, hein, parce que, why, le c'est vrai, S-E-S-V-R-I-S, tu devrais lire des mangas, toi. Je crois que ça te ferait pas de mal, Lucas. Allez, bisous, hein. Tu passeras un bonjour aux autres bannis de ma part. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ça fait mal, hein. Quel enfer. A plus. Merci, hello. Installe-toi. Ah, vous êtes en week-end? C'est qui est en week-end, là, de 3 jours? C'est qui est en week-end? Profitez bien. Profitez bien de votre beau week-end. Merci, hello, pour le follow. Ah, c'est cool. Profitez bien. J'espère que vous avez du beau temps pour ce week-end. De 4 jours? Week-end de 4 jours? T'as... Waouh. Non, mais toujours plus, quoi. Ouais, j'ai un week-end de 3 mois. Oh, génial. Bah, trop bien. Profitez bien. Qui fait la vibes? C'est trop bien. Oui, c'est vrai qu'il y a la Pentecôte, ouais. Ah oui, donc samedi, dimanche, lundi, ouais. Et mardi pour certains? Moi, je suis un week-end de 5 jours. D'accord, alors c'est toujours plus, là. Moi, je suis un week-end de 1 an. Ah, d'accord. Eh, regardez, ça ressemble à un truc sympa. Oh, regardez comment ça fait beau là. Il y a un truc, non? Oh. Eh, ça a l'air d'être sympa, je sais pas. Ou alors c'est moi qui m'invente des lives là. Non, ça commence pas à être joli, ça. J'ai l'impression que ça commence à être sympa. Ouais. Bah, moi aussi j'aime bien. Mais en fait, je verrais peut-être plus une fontaine. Genre, vous savez, une fontaine, genre la fontaine des grandes fées. Une fontaine fontaineuse au lieu d'un arbre mojo. Un truc sacré, une forêt, mais avec une fontaine. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Je vois plus une forêt là, bizarrement. On dirait plutôt un... Enfin, je vois quand même qu'il y a un truc féerique.
Mais je vois plutôt une fée ici, là. On dirait que c'est petit, c'est un cocooning pour une grande fée. C'est trop bizarre. Mais il faut que je mette des bois et tout, hein. Des trucs. Est-ce qu'il y a une fée? Est-ce qu'il y a une fontaine qui fait fontaine? Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a une fontaine qui ressemble à une fontaine dans le jeu ou... Connard. Ça veut rien dire. Oh là 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 là. Salut Kira. Une statue de routard. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une fontaine fontaineuse? Je vais voir. Ouais, je sais pas. Là, je vais mettre des... Je vais mettre des arbres. Je vais mettre des arbres. Mais il y a un délire, là. Il se passe quelque chose, en fait. Bon, après, je pourrais creuser juste une mare, hein, finalement. Mais non, mais c'est pas assez... C'est pas assez magique. Je vais voir si j'ai pas la fête. Là, il y a une fontaine. Il y a une fontaine. Enfin, c'est pas une fontaine, mais c'est une. C'est une mare là avec les lucioles. Je crois que j'en ai une dans mon garage. J'ai oublié le débarras. J'arriverai pas à m'y faire au débarras, c'est trop nouveau pour moi là. Excusez-moi. Le débarras, bien sûr. Le débarras. C'est trop nouveau, sorry, mais... débarras. Voilà, le débarras est là. Mais oui, non, mais évidemment, je suis con là. Je sais pas le faire, le débarras. J'ai pas encore ce réflexe d'utiliser le débarras et pas retourner chez moi. Merci Manon, bye bye. Mais j'avais besoin de me dégourdir les jambes. C'est ça. Salut Céline Anal. Bon, moi, toi, on sait ce que tu veux. C'est bien comme pseudo, c'est bien, tu vas droit au but. Céline Anal, c'est bien. Bon. Alors, du coup, je vais ranger ça. Non, c'est pas là. Je vais prendre la fontaine. Je crois que j'avais ça. Une fontaine avec des lucioles. Mais oui, je savais même pas que le débat. Mais oui, non, mais c'est un débarras, hein, finalement. J'avais pas une mare qui marre, quoi. J'avais une mare très marrante. Merci pour le sub Manu sur TikTok. Merci à toi. J'avais une mare marrante. Attendez, je l'avais pas? Ou alors je n'invente. Est-ce que je n'inventerai pas un peu quand même? Oh, je crois que je n'invente. J'en avais pas une? Oh, je n'invente. Est-ce que je serais pas le fils à j'en rajoute? Oh, je n'invente. Ouais, bah je n'invente. Bah écoutez, est-ce que quelqu'un a une fond... Ah, je l'ai. Au-dessus. Au-dessus, je l'ai. Ah. Attendez, je sais pas. Je sais pas. Attendez, je sais pas regarder correctement. J'en ai une, là, de mare... luisante, là. Et je l'ai pas vue. Ah, vous parlez de ça? Non, ça, c'est un galet. Ouais, un galet, une galette. Un galet, une galette. Ça n'a rien à voir. Il y a les galets et il y a les galettes. Mmh, ouais. Bisous là où tu sais. Ça n'a rien à voir avec la mare luisante. Je vais regarder si j'ai le... Je vais regarder si j'ai le plan. Mais attendez. Je peux pas faire un débarras. Oh, flemme. Allez, on se dégourdit les jambes. Oh là là, mais c'est pas possible. Oh, j'en ai marre. Moi, je peux pas rester sur place. Bon, allez. On va essayer de voir si je l'ai... J'en ai une que je peux t'envoyer si tu veux, Joe. Non, t'inquiète pas. Je vais me la faire moi-même. C'est gentil, Joe. Merci à toi, c'est adorable. T'inquiète pas. Je pense que j'ai le plan pour faire la mare marrante. Elle est où? Est-ce que je l'ai? Est-ce que j'ai la mare marrante? Est-ce que j'ai le plan? C'est pas ça. Ouais, ça, c'est le bain extérieur. Merci beaucoup pour le follow. A plus, Val. Est-ce que j'ai la marmar... J'ai pas la marmarante? Attends, je vais mettre dans tout. Tout est fini entre nous. Peut-être que je l'ai jamais... J'ai jamais eu le plan, mais j'ai déjà eu l'objet plusieurs fois en plus, je crois. Au pire, je le commande et on l'aura la fois prochaine. Ouais. Je crois que je l'avais dans le... C'est où? Dans le distributeur? Moi, je suis pas pressé. Hein. Et on va pas s'embêter. Hein. On l'aura la fois prochaine. Tu n'as pas besoin de bouger, tu peux voir tes plans sur le Nook Phone. Mais bien sûr, je le savais.
merci pour le follow. Mais moi, je vous l'ai dit, je joue très mal. Je joue très mal à Animal Crossing. Il y a plein de fonctions qu'on me donne dans le jeu, je n'utilise 10% de ce qu'on me donne. Et je vous jure que c'est vrai, hein, je suis une grosse merde. Alors, merci beaucoup pour les follow Twitch. Merci à vous, on va atteindre les 6700. Hier, on a atteint les 6650, c'est un truc de dingue. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, est-ce que j'ai la mare? Est-ce que j'ai la mare marrante? Elle s'appelle mare marrante? Mais non, pas du tout. On va regarder dans M comme mare. Mare marrante. Mare... Elle n'est pas à vendre! Mais attention, celle-ci, elle était moche. J'avais que cette couleur-là? Elle était dégueulasse. Dans tous les cas, je l'aurais pas pris. Non, on dirait la marque des... je sais pas, des... C'est pas du tout fait pour moi, là. C'est pas ça, c'est dégueulasse. Il y avait pas d'autre couleur? Ouais, d'accord. Dans tous les cas, je pouvais pas la commander. Bon. Ouais, et puis finalement... Pof, un peu quand même. Non? Je suis un peu difficile. Je sais pas. Tu l'as en naturel, Joe? Bon, vas-y, envoie-la-moi. Vas-y, c'est bon. Et outre mes principes, vas-y, Joe. Envoie-la-moi en naturel. Vas-y, fais ton plaisir. Oh là là, vas-y. Allez, c'est bon. Allez, y'en a marre. Allez, c'est bon. Ouais. Hey, hey. Je me prive trop sur ces lives. Je me prive trop. Oh, vas-y, envoie-moi. J'en ai marre de me priver. Bon, allez. Merci, Joe. J'en ai marre de me priver, j'en ai marre. Ouais, je triche, moi aussi je triche. Moi aussi je triche, Takumu, voilà. J'ai envie de tricher. Je vais boire de l'eau, ça me fera du bien. Bon allez. Oh, puis c'est pas de la triche, hein. C'est pas de la triche, c'est Joe qui me l'envoie plus vite. En fait, Joe, elle travaille chez Amazon. Et donc, vu qu'elle est en Prime... Elle me l'envoie plus vite que si c'est moi qui le commandais. Enfin voilà, bon. Hé, hey, ça va. Jetez-moi la première pierre. N'importe quoi. Bon allez, on continue. Les bambous, je les aime bien. Les bambous, je les aime bien. Est-ce que je les mettrais pas entre chaque... Vous voyez, genre... mais je suis en train de... Mais je suis con. Mais est-ce que je suis con? Mais je suis vraiment le roi des cons, moi. Je suis en train de pointer sur mon écran comme si vous voyez, enfin, genre vous étiez à côté de moi. Vous voyez genre là? Vous voyez ici? Genre là? À cet endroit là? Ben je vais mettre les bambous. Juste ici. Là où je pointe là. Là. On va les mettre là. Non mais ouais, non mais je suis genre... Ouh là là, comme si que vous étiez à côté de moi. Oh, c'est n'importe quoi. Est-ce que je peux les mettre genre juste là? C'est pas possible. Merci pour les follow Twitch. Oh, on peut pas non plus. Putain, mais on peut rien faire dans ce jeu de mort. Oh là là. Oh. Mais c'est pas vrai, hein. Mais je vais tout casser. Alors, est-ce que si je fais ça et que je mets un bambou juste ici. On peut pas non plus. Oh, non, mais c'est une blague. Genre, entre les deux, je peux pas mettre le bambou. Juste là. Oh, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est vraiment dégueulasse. Putain, on peut rien faire dans ce jeu, hein. En tout cas, pour nous pomper des clochettes, ça, ils savent très bien le faire. Pour pomper. Ah, ça pompe, ça pompe. Alors ça, y a pas de doute. Ça pompe, ça pompe. Eh ben, si je mettais ça, regardez. Et regardez-moi. Oh, regardez. Oh, oh. Regardez ça. Oh! Regardez ce que je suis en train de faire. Pour ajouter un peu de. Un peu de texture. Vous me dites hein, si vous trouvez ça moche. Est-ce que ça peut le faire ou pas? Après, on n'oublie pas. Les goûts. Les goûts et les couleurs. C'est comme les poils de cul. On en a tous, hein, bien sûr. Les goûts et les couleurs, c'est comme les poils de cul. On en a tous. D'accord, génial. T'aurais pu mettre des vignes. Des vignes? Ah, mais j'en ai pas, moi, tout ça. Est-ce que j'en ai, moi, des vignes? Attends. Est-ce que j'ai ça, des vignes?
Ouais, mais si vous inventez des trucs que j'ai pas aussi, hein, on va jamais s'en sortir. Vous inventez des trucs là. Oh là là. Faut mettre des vignes. Ouais, mais tu parles. Mais c'est des trucs qui n'existent pas. Bon, allez. C'est quoi les vignes? Moi j'en ai marre, ça invente trop de trucs. Vous inventez des trucs que moi, le peuple, on peut pas avoir. Voilà, vous inventez des trucs, la bande de matheux. J'ai des mauvaises herbes, c'est bien ou pas? Est-ce que les vignes, on peut les faire avec les mauvaises herbes? Ah, mais il faut le plan des vignes. Tu peux l'avoir sur certaines îles amirales. Ben voilà, mais je peux pas. Il y en a sur les îles mystères d'amiral. Ben voilà. Sur les îles, ben voilà. Salut Sofiam. Et ben voilà. Salut Fleury Manga. Tu peux avoir des vignes sur l'île d'amiral. J'avais bien compris au bout de 4 fois, ouais. Mais est-ce qu'on est sur l'île d'amiral? Il y a des vignes sinon. D'accord. Ou l'île du DLC. Avec le DLC. Génial. Tout ce que j'aime, quoi, finalement. Le DLC, les îles de l'amiral. Mais c'est super. C'est super. Coucou Anaël, coucou. Je vais crever, putain. Bon, allez, bah fuck. Eh, fuck les vignes. D'accord? Moi, je dis fuck les vignes. Eh, vous commencez à me pomper, là, avec vos trucs qui n'existent pas. Ça n'existe pas, les vignes. Mais si, dans le DLC, super sympa. Oui, génial, génial. Donc, ça restera comme ça. Voilà. Crise existentielle. Et si vous n'êtes pas content, bah c'est pareil. Voilà. Est-ce que je... Oh, mais là, il y a un espace vide qui sert à rien. Mais ça... Ouais. Ok. Mais du coup, à droite, ouais, je sais pas ce que je vais faire, mais... Sinon, mets des bambous juste devant ton mur naturel. Ben, j'y arrive pas. Ça veut pas, Kim. Ça ne veut pas. Ça y est. Je vais péter un câble. Hello, everybody, tout le monde. Ça y est. Ça vient péter un câble. C'est bientôt le week-end. Non, non, ça marche pas. Ben, écoutez, c'est pas grave. On va essayer de colorier le sol. Waouh. Waouh. Waouh! Parce qu'on est dans un bois. Je pense que cette couleur-là, pour le bois, c'est pas mal. Vu que c'est un bois très boiteux. C'est pas mal ou pas pour le bois? À l'intérieur. Parce que le reste, c'est un peu moche. Ça a rien à voir, ça fait pas bois, quoi. On est d'accord? Hein, moi, je veux mettre celui-là. Allez, c'est bien. C'est moi qui t'ai aidé avec le débarras. Et on me dispute parce que j'ai pas les vignes. Ah oui, bien sûr. Ah oui, alors moi, c'est pas parce que je vous félicite une fois que je vais vous lécher le cul tout le temps. Hein. Ah ouais. Oui, prenez pas la confiance. Hein. Alors, petit rappel de comment on doit supporter les lives sur Twitch. Alors, première règle, il ne faut pas avoir d'ego. Voilà, donc si jamais vous avez un ego surdimensionné, vous allez pas vous plaire ici. Hein. Vous risquez d'avoir un souci avec votre santé mentale. Deuxième règle, acceptez le second degré. Voilà, donc on s'amuse, on taquine entre nous, on s'amuse bien, on rigole, on se chamaille, on s'amuse, c'est bon enfant. Troisième règle, ne pas prendre la mouche, hein, ne pas être susceptible. Parce que qu'est-ce que vous allez en bouffer? Oh là là, vous allez en bouffer, hein, susceptible, on évite. Voilà, on évite d'être susceptible. Et quatrième règle, amusez-vous. D'accord? Autodérision, on s'amuse, on se prend pas la tête. Et normalement, ça se passe plutôt bien. Ok, voilà. C'est top. On y va. Prêt pour ce soir? Y'a quoi ce soir, Feuille? Il se passe quoi ce soir? Et ne pas se prendre la mouche. La mouque? Oui, la mouque. Y'a quoi ce soir, Feuille? Prêt pour ce soir? Il se passe quoi? Bonjour, je viens de m'acheter le jeu. Bonjour. Eh ben, amuse-toi bien. J'espère que tu seras plus doué que moi en décoration. J'espère que tu seras plus doué que moi. Ok, pour l'instant, c'est pas terrible. Mais bon,
Faut croiver, hein. Ah oui, il y a Genshin ce soir. Oh merde. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Je dois leur montrer comment on joue à Genshin Impact. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. C'est vrai, je suis con. Oui, je suis prêt, Feuille. Mais c'est surtout à toi de poser la question, Feuille. Est-ce que toi, t'es prêt pour mon enseignement? Parce que je vais vous expliquer comment ça marche, les donjons, les boss et tout. Hein, ouais. Une astuce pour bien commencer? Alors, pour commencer Animal Crossing, alors j'ai une première astuce qui me paraît totalement évidente. Mais je trouve qu'on ne la dit pas assez quand on démarre l'aventure Animal Crossing, alors que pourtant c'est certainement la première chose à faire. C'est de mettre la cartouche dans la Switch. Ça paraît bête, mais c'est quand même super important. La cartouche, tu l'enlèves de la boîte et tu la mets dans la Switch. Voilà, tu l'enfonces, hein, t'as une fente dans la console et tu lances le jeu. Et tu vas voir qu'après, ça va le faire. Tu vas avoir un truc de dingue. Il va se passer des trucs de dingue. Ok? Bien évidemment, il faut allumer la console d'abord. Mais je pense que tu l'as fait. Hein, on met la cartouche dans la fente. On évite de lécher la cartouche, hein, parce que c'est un goût dégueulasse. J'ai essayé. Pourquoi? Ne posez pas de questions bizarres. Et donc on s'amuse. On s'amuse, on profite. Et une autre règle très importante aussi. Une autre astuce très importante. Si jamais vous avez Gertrude en premier habitant, on recommence la partie, on efface, on n'hésite pas à effacer, hein. Voilà, chose que j'aurais dû faire, et je ne savais pas. J'aurais dû le faire, et je ne l'ai pas fait. Et tristesse. Grosse tristesse, d'accord? Salut mon ami. A plus, bisous, profite bien de ton week-end Nicolas, bye bye. Merci d'être passé. Allez, on colorie. On colorie. Oh écoutez, je sais pas, non parce que... Là, je pense que je vais pas faire le même sol. Regardez. Là, je trouve que ça va pas. Là, je trouve que c'est non. Ouais. Là, on dit non. Moi, je me serais arrêté. Je m'arrêterai genre là. Attendez. Je m'arrête là. Et ici, je mets un autre sol. Ou alors, je sais pas. Ah, ça commence à ressembler à un truc. J'aime bien. Ça fait plaisir, ça y est. Mon île, elle commence à ressembler à quelque chose. Après quasiment 6 mois de live. Bah non, mais plus de 6 mois même. On a joué en septembre. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait 8 mois qu'on est sur le jeu. Putain, ça fait 8 mois. Oh, 8 mois qu'on est sur le jeu et mon île, elle est toujours éclatée. Non, mais c'est pas normal. C'est un décembre. Mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant 8 mois? Mais j'ai fait quoi pendant 8 mois? Mais j'ai rien foutu! Mais attendez, j'ai fait quoi pendant 8 mois? J'ai rien fait là! J'ai remboursé mon prêt! Voilà! J'ai remboursé mon prêt? Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, c'est tout! J'ai rien fait! Ah non, j'ai fait. Non, c'est. Non, 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 non! J'ai également fait l'intérieur, la décoration intérieure! Voilà! J'ai fait la décoration intérieure de la maison! J'ai viré des gens aussi de mon île. Hein, Gambette et tout, ils sont dégagés. J'ai bolos Gertrude, et ça prend du temps. Ouais, de victimiser des gens. C'est un travail sur le long terme. Ouais, alors ça, par contre, ouais, ça prend v'là le temps. Merci, Eldoxoa. Oui, c'est le moment de glow up. Salut, Francesca. Oh, ouais, ça passe vite, hein, 8 mois déjà. Oh, c'est un truc de dingue. Là, c'est le moment. Kiki est toujours open bar? Eh ben rendez-vous mercredi prochain. Parce que c'est le mercredi soir les bails. En fait il y a deux ambiances. Le mercredi après-midi on est chill entre guillemets. Enfin le vendredi après-midi, l'après-midi sur Animal Crocro. Voilà, c'est très dynamique, hein. On fait des trucs dans le jeu, voilà, les petits clashs, hein, les trolls sur TikTok, enfin bref la routine. Et le mercredi soir, eh ben il y a des dramas. Il y a des dramas le mercredi soir. Ouais, il y a des bails. Il y a des jeux, il y a tout le monde qui se pécho dans toutes les baraques. Mais j'ai fait un TikTok ce matin, n'hésitez pas à les voir. Pour vous donner un petit aperçu de ce qui se passe le mercredi soir dans Animal Crossing. Hein, vous n'allez pas être déçus. Il y a des gens qui sont très ouverts. Ouais, c'est gossip. Animal gossip. Ah, c'est clair.
J'ai 800 heures de jeu et j'ai pas encore fini mon île. Waouh. 800 heures de jeu. Oh, mama. Ça fait beaucoup, hein. Ah bah c'est le mercredi soir du coup qu'il faut venir. 8 mois qu'on essaie de chasser. Ouais, 8 mois qu'on essaie de chasser la Gertrude, Manu, c'est clair. 8 mois qu'on essaie de se débarrasser de cette morue qui est un gorille. Mais c'est une morue. C'est un truc de dingue. 8 mois quand même. Gertrude a l'air de beaucoup t'apprécier. Ah oui, oui. Ouais, un peu trop même. Un peu trop à mon goût, ouais. Ouais, elle kiffe trop un peu. Genre, lâche-moi le cul là, c'est bon. Elle est un peu relou, elle. Il s'agirait de me lâcher les fesses. J'ai pas du miel au derche, hein. Ouais, c'est rigolo, hein. Voilà. J'ai réussi à peindre le sol. Bah, c'est déjà une belle avancée, hein. C'est déjà une belle avancée, déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Ah, je sais pas si Joe m'a envoyé ma... Enfin, ma mare, genre, putain, mais le mec, mais ferme-la, quoi. Est-ce qu'elle m'a envoyé ma mare? J'ai envie de me défoncer, là. Est-ce qu'elle a pris le temps d'envoyer une mare? Déjà, Joe, ce serait déjà super gentil. Ah là là là. Ah, y a pas de courrier. Bon, Joe, hé! Tu te manges ou quoi, là? Putain! Elle est où, cette mare, la merde? J'ai réclamé cette mare! Et elle vient pas! Fais chier! Putain de merde! J'adore, ça marche, Joe. Oh ouais, bah j'ai fait un aller-retour maintenant! Oh! Ah bah elle est là, la mare. Bah tu l'as envoyé finalement? Bon. Alors, c'est Zoltal! Pour la zone de la mare. Ah, merci, Zoltal! Oh ouais, mais c'est chiant! Je suis obligé de leur gueuler dessus pour qu'ils m'envoient des cadeaux, la commu, et... Hé! Hey, on est combien? Attends, Joe, écoute bien. J'ai envie de rigoler. On est 6000 sur Twitch! 6600! Hein? Il est 15h! Je me crève le cul pour vous faire des lives! Et là, on est combien? On est combien, là? Je sais pas! On est combien, là, sur Twitch? On doit être genre 50! Je me mets quasiment en découvert! Pour vous faire des lives, d'accord? Et vous venez pas? Eh ben c'est non! C'est non! On est 88, d'accord. On est 88! Où est-ce que vous êtes? Où êtes-vous? Où êtes-vous? C'était mon rêve de dire ça. Allez bon! Le rocher! Allez, super. Si vous avez la ref, vous avez la ref. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. C'est horrible. Pourquoi tu m'as envoyé ça? Pourquoi tu m'as envoyé un gros chewing-gum mâché, collé sous un bureau? Bon. C'est dégueulasse. Ah, c'est pour la forêt. Ah. Comme quoi, toujours regarder le courrier en début de live. Bah, c'est gentil en tout cas, merci à toi. Merci Zoltal. Merci, hein. Merci à toi. On sait où ça va se terminer. Voilà, voilà. On sait où ça va finir. Non, mais comme quoi, ouais. Non, non, mais prenez pas d'initiative, hein. C'est ça. Le rocher est atroce. Alors, j'ai pas autant de tact. Enfin, j'avais plus de tact que toi. Mais, bon. On va le mettre dans le débarras, oui, oui, oui. Je vais l'utiliser plus tard. Ouais, ouais, ouais. Je vais l'utiliser demain. Y'a pas de soucis. Ah, vous avez la ref? Ouais. Bon, non, mais j'aime bien, ouais. En plus, j'adore les chewing-gums. Voilà. On va le mettre dans le débarras, j'utiliserai plus tard. Y'a pas de soucis, vous inquiétez pas. Pas de problème. Vous pouvez me faire confiance. Azé, azé. Azé, moi je mens pas. Azé, azé. Qu'est-ce que je fais là? Non. Ok. En attendant que Joe envoie la mare qui se marre, je vais continuer à faire la décoration de. Est-ce que je mettrais pas des buissons là-haut? Je sais pas, moi je fais. Eh, complètement choc barre. Est-ce que je mettrais pas des petits buissons? Genre au-dessus là des rochers. Genre vous. Mais putain, mais pourquoi? Mais je pointe avec mon doigt, mais ça va pas. Est-ce qu'on peut mettre des petits buissons qui sont juste là?
Merci pour le follow. Ah, tu m'as envoyé une barre. Eh ben écoute Zoltan, merci. Mais vu que Joe charge, je prendrai celle de Joe, hein. Merci, c'est gentil. Oh, on peut pas? Oh non, c'est dégueulasse. Ah non, c'est dégueulasse. Non, vous rigolez. Des fleurs mais pas des puces. Oh non. Non. On peut pas faire ça? Comment ça? Je peux pas faire un buisson là? Ah, ben si on peut. Ben je peux le faire, qu'est-ce que vous dites? Eh, vous avez picolé quoi là? Ben si je peux le faire. Mais ils sont vous avez bu quoi là? Oui, il faudra que je fasse un bout de falaise, que je monte, que je mets le buisson, je redescends. Vous avez picolé quoi là? Ben bien sûr que si, je peux le faire. Ah mais c'est pas un buisson ça, mais... Ah d'accord, vous jouez sur... D'accord. D'accord. Ah vous pensez les buissons, les trucs. Ah d'accord. Non mais vous, excusez-moi, vous savez à qui vous parlez là? Excusez-moi, on parle de moi là. Vous savez très bien qu'il n'y a qu'un seul buisson depuis tout à l'heure. Non Flavien, dans Animal Crossing c'est pas ça un buisson. Un buisson c'est un objet que nous plaçons juste ici. Ça n'a rien à voir avec ce que tu nous as décrit parce que nous ne sommes des professionnels. D'accord. On parlait pas de ces buissons là Flavien. Non, c'est pas du tout ça un buisson Flavien. Non. Depuis tout à l'heure je dis les buissons, on parle de ça. Oh là, je vais crever. Allez. C'est pas grave. Il faut pas s'énerver. Ils sont juste pas en phase avec toi aujourd'hui. C'est pas grave, c'est bientôt le week-end. Allez, c'est bon. Allez, bon, je vais aller chercher la mare de Joe. Merci Joe, merci à toi. Et merci Zoltan aussi, hein. Et du coup je vais prendre celle de Joe parce que évidemment elle s'est proposée en premier, puis elle a fait la démarche de charger sa Switch et tout, donc merci beaucoup. Oh ouais, non mais c'est ça. Mais ouais, mais choc bas. Alors voyons, va. Un peu de patience. Bah vas-y, tranquille. Non problème. Oh mais génial. Livraison express. Alors, je suis pas sûr du bail en livraison express, mais livraison quand même, Joa. Et merci Joe, merci Joe. On peut lui faire des gros GG sur TikTok et sur Twitch. Eh bravo Joe, quelle livraison, merci à toi. Non mais attendez, mais c'est incroyable. Et il faut quand même prendre du recul. Faut se dire quand même que la personne, le streamer demande un truc et que la commu lui envoie quand même. Enfin je veux dire, on redescend, c'est super, merci Joe. Alors voyons voir. Ah oui attendez, c'est super gentil. On redescend. Parce qu'on est 88 sur le live. Et vous êtes où maintenant? Moi je fais des lives Animal Crossing. Je me mets quasiment en découvert. Et vous êtes pas là? Merci Joe. Merci à toi. Alors let's go. La mare elle est là. Oh ça va faire beau. Bah écoutez, non. Je ne vais pas vous dire c'est quoi la ref. Je vous laisse chercher sur les réseaux. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi je veux juste foutre la merde et après je me barre. Oh c'est joli. Oh c'est joli. Oh là là. C'est joli comme tout. Ok, il y a un délire. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, là c'est très joli. Ah, elle est très belle. Elle est très belle. Ah ouais, j'aime bien. En plus, elle est bien centrée. Elle est bien lumineuse. Et ça fait vraiment la grande fée, ouais. Genre, je suis choc barre de baiser. Il faudrait que je lui fasse un sol dédié ici. Peut-être remettre de l'herbe ici, faire un truc là. Mais c'est beau. Mmh. Oula, oula. Oh, oh. Oula, elle a cru. Non, non, non. Oh. Je t'ai pas invoqué. Elle a fait chaudasse là. Oh, mais c'est pas vrai. Mais c'est quoi cette type de 5D là? Non, hé. Non. Bah. Oh putain, je vais me taper ce son là dans Animal Crossing. Génial. Bah, il y a la fée, il y a la grosse fée là qui va venir. Eh ben, elle est là. Bah. Waouh. C'est beau. Bah. Elle s'amuse, hein, elle s'amuse. Ouais, je vais essayer de faire un
Peut-être de mettre un sol différent. Histoire de voir. Qu'est-ce qui pourrait aller, genre. C'est un truc un peu sacré. On peut même mettre une route. Pas pavée, mais genre celui-là. Autour. Pour montrer que c'est une. C'est une fée sacrée. Bon, même si elle est grave chaudasse. Mais elle est sacrément présente, quoi. On pourrait faire un. On pourrait faire un truc avec des pavés. Merci Tara pour le follow Twitch. J'aime bien. Et c'est le chewing-gum à côté. Non, Justine. T'as des bonnes idées, s'il vous plaît. Tu fais quoi comme espace? Alors, écoute, moi, j'ai une forêt Kokiri. Et ici, je vais faire une un coin un peu forêt comme la grande fée. Je vais mettre des bois autour quand même. Je vais mettre des fleurs. Et je vais mettre des... je vais mettre des arbres. Oui, il y a des motifs personnalisés, c'est vrai, ouais. Mais j'ai la... Mais j'ai la flemme de faire les personnaliser. Ouais, j'ai un peu la flemme. Hein, je... Oubliez pas, feignasse. Feignasse, d'accord, oubliez pas. Hein. Feignasse. Bah écoutez, on essaie de faire un truc comme ça. Ah, c'est comme ça. Ah, je m'attendais pas à ça. Attendez, je m'attendais pas du tout à ça. Il y a de l'herbe quand même. Hein? Hein? What the fuck? Attendez, quoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi il y a de l'herbe? Il y a ça plus de l'herbe? Ah oui, mais c'est pas pareil. Je ne m'attendais pas à ça. Bon, on va essayer. On va voir. On va voir ça. Ah, il montre quand même l'herbe. Ah ouais, celui du dessus, il prend le... Bah il prend le dessus du coup, hein, ouais. Connard. Bah oui, d'accord. Ah bah finalement, ça va peut-être pas faire moche. Ouais. Voilà. Pas une croix, par contre, c'est bon. N'importe quoi. Genre là. Oh, ça peut faire bien, regardez. Oh, attendez, je crois qu'il y a un bail, là. Il y a un truc en train de se passer, là. Il y a un truc en train de se passer. Attendez, bougez pas. Il y a un bail. Parce que c'est quand même une fontaine sacrée. Oh lolo, attendez, mais ça va être super joli ça. Ça va être super joli. On va voir ça. Ok. On va voir ce que ça donne. Oh. Oh. Eh, hey, y a un truc, hein. Ça a l'air d'être bien, non? Oui, je peux arrondir les bords, t'as raison, Joe. Ça a l'air d'être sympa. Et là, on dirait vraiment une bite, hein, je suis désolé, mais... On dirait une bite. Non, mais c'est pas normal. Bon, là, elle est quand même là. Désolé, hein. Je suis vraiment désolé, mais... Une bite dans un bois sacré. Si c'est pas le bois de Boulogne, je ne sais pas c'est quel bois. Non mais désolé, on a tous vu la bite. Alors je suis désolé, hein, si je me fais ban sur TikTok, c'est pas grave. Mais regardez ça. Je suis désolé, hein. On va regarder la carte. Ah c'est dommage qu'on voit pas, c'est dommage. Mmh, ah c'est bien dommage. Parce qu'on dirait quand même une... Hein? On dirait une... Je suis désolé, on dirait une bite. Waouh. En plus, je voulais arrondir les coins. Attendez, j'ai peur. Waouh! Bah écoutez, c'est super! Bah ça, en tout cas, moi, ça me donne envie d'aller dans la forêt. Genre là, je vois une forêt comme ça, j'y vais direct. Je suis grave client. Ouais. J'y vais à fond. Ah ouais, non, moi j'y vais. Oh ouais, bah alors. C'est clairement le moment. Bah, en tout cas, moi je serais vraiment la personne. Je serais vraiment la personne qui irait dans ces bois-là. Pourquoi tu parles pas de la guerre en Palestine? Alors, déjà, de 1, parce que ce n'est pas du tout le sujet du live. De 2, parce que certainement, contrairement à d'autres, moi je ne parle pas, mais j'agis.
Voilà, et ce n'est pas du tout le bon moment. Donc tu me mets pas du tout mal à l'aise avec ta question. Je sais ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas le moment. J'agis de mon côté, je fais du bien comme je peux, je partage. Et voilà, le rapport n'est pas du tout là. Donc merci à toi. Bien, alors du coup la fontaine fontaineuse. Ok, génial. Une fontaine sur le sac de la bite. En fait, elle est un peu bizarre. Hein. Elle est un peu bizarre. Désolé, je vais voir que la bite. Je ne vais voir que la bite. Ça va être compliqué, hein, ouais. Ça coule de source. Ah, ça, c'est sûr, ça va couler. Ouais, ça, c'est sûr. C'est sûr que ça va couler. Ça va être une grosse galère. Bah écoutez, je vais agrandir le paquet, ouais. Je vais essayer d'agrandir le paquet. On va essayer. Ouais. Oh écoutez, peut-être qu'avec un plus gros paquet. Bon, bon là c'est un peu gros quand même. Abusons pas. Bon ouais, d'accord. On va essayer, on va voir. On va tester ça. Du coup la fontaine elle est plus bien. Ça devient compliqué hein, de faire des lives sur Animal Crossing. Vous commencez à rendre ça compliqué hein. Salut Serenity. Non, ça va pas être pire, ça va pas être pire. Non, non, je le sens. Regardez, ça va être beau. Mais moi je vois que la bite hein. Non mais je dois avoir un souci. Mais moi je vois que ça. Si c'est pire. Je crois que c'est l'arrondi là. Bah ouais, mais maintenant que je vois que ça. J'arriverai pas à l'enlever de ma tête. Je vois que ça, les enfants. Oh, mais c'est un supplice. Faut lisser le bout. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Écoutez, on va pas me le demander deux fois. Écoutez, pas de problème. Je vais lisser le bout. Pas de problème. Bouge pas. Alors. On va lisser le bout. Ouais, ça va mieux déjà. Ouais, ouais, c'est le bout. Ouais. C'était l'arrondi. Je trouve que ça va mieux là. Là, on est pas mal. Je trouve que ça va mieux. Mais au moins, vous avez vécu un moment d'anthologie. Vous savez les origines de cette fontaine. Merci pour le follow. Au moins vous connaissez les origines de cette fontaine. Vous savez comment elle a été construite, comment elle a été développée et qu'est-ce qui s'est passé dans ce dans cet endroit. Mais au moins vous connaissez. Je me demande même si je vais pas rajouter un petit bout là. Et genre l'arrondir, ça ferait quoi? Je teste hein. Non là on dirait une bite qui a des... qui s'est fait piquer par des moustiques. Ouais non ça va pas hein. Ouais non. Non ouais non non. C'est pas la peine, ça c'est pas... Non, non, c'est moche. Ouais, c'est... Non, 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 merci. Allez, hop. Non, merci. Eh ben, une sacrée histoire, quand même. Une sacrée histoire. Après, vous savez quoi, de toute façon, dans tous les cas, ça va pas rester comme ça, hein. Il va y avoir des arbres et tout. Mais franchement, la vérité, je suis trop content, là, de voir ce que ça rend. Et il y a une heure et demie... Quoi? Déjà une heure et demie qu'on joue, là? Ça fait déjà une heure et demie. Mais ça passe trop vite. Oh là là, comment ça passe vite. C'est dingue. Ouais, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Ça commence à ressembler à quelque chose. A voir après ce que ça va donner, hein. Oh, merci Tournesol. Merci pour les follows sur TikTok également, merci beaucoup. Alors, ok. Est-ce que je mettrai pas des petits bambous? Des arbres ou des bambous? Là, il faut de la... Là, il faut de la végétation, là. Il faut de la végétation, il faut peut-être des fleurs. Hein? Il faut des trucs, là. Il faut habiller l'intérieur. J'ai des bambous, j'en ai pas beaucoup, mais je peux en mettre.
Je mets des bambous? Ouais. J'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. Eh ben au pire, en attendant, est-ce que je les mettrai pas Bah de toute façon je vais pas mettre. Eh ben je sais ce que je vais faire, vu que j'en ai 8. J'en mets 1, 2. Ah non, je peux pas les couler, c'est ça. 3, 4, mais je peux pas les couler, on est d'accord. Genre là, même si je fais ça, je peux pas mettre le bambou ici. On est d'accord. Putain, c'est nul. Oh, c'est vraiment nul ça. Ah, c'est con ça. Ou alors je les mets là. Ouais, de toute façon, je vais mixer. Hein. Je pense que je vais mixer. Je vais pas mettre que des bambous. Hein. Je vais mettre des bambous, des plantes et tout machin, mais. Ouais, au fond. Je les mets trop au fond, genre là. Avec un petit relief, genre. Genre 2. J'essaie de voir ce que ça fait. 3. 4. 5. 6. 7. Ah là, vous voyez, c'est pas. Ah, moi, je suis un peu toqué. Hein. Je suis un peu toqué. Bon, je sais pas si vous l'aviez remarqué. Je sais pas si ça ferait beau comme ça. Ah mais non, mais là je peux pas là. Je peux pas. Bah oui, je peux pas, putain. Ah mais c'est de la merde. Putain de merde. Mais c'est vrai qu'on peut pas faire ça. Mais oui, on peut pas faire ça. Oh là là, je me sens frustré. Alors 2 4. Et là si je mettais que les bambous comme ça. J'en ai que 8. Hein. Après, oui, je mettrai des petits trucs. Ça va faire bizarre, non? Juste des bambous. Bon, on peut tester. Hein. Je teste, voir ce que ça donne. Oh, attendez, je suis. J'allais dire que c'est moche, mais je crois que je vais bien aimer. A voir. Ah, peut-être pas trop les couler. Oh, c'est imposant, n'empêche. Eh ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit. C'est gros. Ah ouais, mais du coup ça va pas aller. On peut pas les coller. D'accord, c'est bien. Ah ouais, c'est pas symétrique du coup. Ah putain. Ouais, moi je vais me sentir mal. Bah celui-là j'enlève. Parce qu'après moi je vais me sentir mal. Bon voilà. Bah au pire j'en mets deux comme ça. Oh, ça commence à ressembler à un truc sympa. Ok. Et ben si j'en mettais un comme ça. Genre. Là on peut là. Là, là on peut là. Ah, ah. Mais genre là on peut pas. Là. Là. Juste là. Oh putain, je vais péter un câble. Oh mais merde. Mais je peux rien faire. Ah, oh, je me sens frustré. Oh, Twitch, TikTok. Mais j'en ai marre. On est en train de casser ma créativité. C'est pas grave. Alors, et si je les mettais là? Genre là. Moins fan. Là je mettrai plus des petits. Là je prends, je trouve que ça prend beaucoup de place. Mais c'est un bois après, hein, on se détend. Ah. C'est un peu gros, non? C'est un peu gros, genre. Grosse touffe du bambou là. On est d'accord ou pas? Ta touffe m'étouffe là. C'est un peu gros quand même. Une grosse touffe. Regardez-moi cette grosse touffe bien touffeuse. Ah ouais, non, elle étouffe. Hein? Faudrait des petits bambous? Ah, je peux peut-être les couper, non? J'ai pas de hache. Voilà. Oh là là, ça me casse les couilles. Sur la même ligne? Ah, après, c'est trop symétrique. Alors, je suis chiant. Mais en gros, pour moi, un bois ou une forêt, c'est pas forcément symétrique. Un bois, t'as un arbre par là, t'as un truc par-ci. Ça fait pas naturel de tout aligner. On n'est pas à Truffaut ou à Jardiland. Vous voyez ce que je veux dire?
Moi, je veux qu'il y ait de la texture, quoi. On n'est pas Truffaut ici, hein. C'est pas le rayon bambou. Après, c'est que mon point de vue, bien sûr. Oh, bordel! Mais c'est hyper intéressant à faire, quand même. Salut, Nao! Faudrait des petits bambous. Des bamboulinés. Est-ce que j'en ai? Est-ce que je peux pas couper les bambous? Exactement, ouais. Non, mais je pense que l'idée de Joe est très bien. Genre, je coupe les bambous, genre je les coupe. On coupe les bambous. Et j'en mets des petits là. Un là et un là. Histoire qu'on voit petit, grand, qu'on... Y a... Que ce soit longiline. Qu'on voit une sorte de... Oh! Vous voyez ou pas? Petit, grand. Genre... Oh! Vous voyez ou pas? Oh! D'accord. C'est épuisant, Animal Crossing, pendant 2 heures quand même. Ok, et là, est-ce que j'ai des... Oh! Des petits bambous. Est-ce que j'en ai déjà? C'est vrai qu'après j'ai plein de déco comme ça que ça pourrait faire joli. Si tu coupes, il repousse plus. Oui, c'est pas grave. Ça me dérange pas. C'est vraiment pour qu'on voit juste le bambou coupé. Ah mais ça c'est quoi? Ah non, ça c'est pour faire des trucs en bambou ça. Il me faut une hache en fait. Il me faut une hache. Admettons genre. Attendez, admettons. Genre hop. Hop. Je plante les bambous. Je vais me faire une hache hacheuse. Et je les coupe. Ouais, on pourra faire les décos bambous, je pense. J'aime bien, mais là, je trouve qu'il y a trop de touffe, quoi. Là, ça touffe, mais touffe. Ah, on... C'est quoi qui est là-bas, là? C'est quoi le truc bleu? Eh, mais qu'est-ce que tu fous là, toi, là? Bah, je regarde ce que t'es en train de faire. Mais bouge de là, et commère. Casse-toi de là. Elle est cinglée, elle. J'étais en train de me dire, c'est quoi le truc bleu, là? Oh, regardez comment ça rend bien. Oh, ça va être trop beau. Oh, et j'ai fait ça sans modèle, hein. Excusez-moi, je vais me la péter 30 secondes. Ouais, j'ai fait ça sans modèle. Voilà, c'est moi. Ouais, hein, c'est dingue. Ouais, c'est clair. Merci Mimi. Merci Mimi qui lâche son plus beau prime. Merci Mimi pour le 3e mois. Merci à toi. Et ben, on va faire une petite hache. Une hache bien hachée. Faut pas applaudir mes conneries. Alors, on va voir. Il reste une petite demi-heure de live. Ouais, regardez, il y a plein de trucs bambou. J'aime bien. Non, je vais faire une hache. Une hache hacheuse. Alors, il faut quoi? Il me faut du bois, pépite de fer et une hache rudimentaire. Et pour faire une hache rudimentaire, il me faut... non, c'est pas ça. Il me faut de la pierre et des branches d'arbres. Ok, tout ce que je n'ai plus finalement, hein, parce que j'ai revendu tout à... Mais je peux pas en acheter en magasin direct, attendez. Et au pire, on s'en fout, non? Je peux pas en acheter en magasin une hache? Ça s'achète pas? Ouais, moi je suis Bladax. Bah oui, ça s'achète. Je crois que ça s'achète une hache. Bon, oui, flemme. Oh, écoutez. Hey, YOLO! Bah oui, on va acheter ça. Regardez, elle est bien coupée. J'espère qu'elle est bien coupeuse. Voilà, j'ai jamais acheté de hache dans le magasin. J'en ai jamais acheté. Bah écoutez, c'est bien. C'est quoi ça? Je sais pas non plus. Bien débuté en cuisine. Ah, je l'ai ça? Ah, j'avais déjà. D'accord. Bah je sais pas. Bah, apparemment, j'avais acheté. Ouais. Bah j'espère qu'elle coupe bien. Ouais, on verra ça. Je suis pas sûr. Hein. On verra si elle coupe bien. Ça sent l'aisance financière. Bon, tu parles, Ericat. Tu parles. C'est parce que j'étais sur l'île de Scorpion la semaine dernière. Non, c'était quand? C'était mercredi. La semaine dernière, on a fait l'île aux scorpions. Mais du coup, l'argent que j'ai gagné sur l'île aux scorpions, ça va pas être pour mon île. Non, c'est pour rembourser le prêt de l'entrepôt de Nook. Qui coûte 700 000. 700 000 clochettes. Voilà, donc c'est pas du tout pour faire plaisir. Oh, regardez, j'aime bien. Voilà, j'aime bien ça. J'aime bien. Ouais, ça va être sympa ça.
Voilà. Ça, ça va être sympa. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir mettre des buts. Voilà. J'aime bien ce délire, là. Ouais, j'aime bien. Ça, c'est cool. Ça, ça me plaît pas mal. Et bah, c'est cool. Et là, je vais pouvoir mettre des petits buissons. Je vais pouvoir mettre des fleurs. Des petites décorations. Ça va être très, très sympathique. J'aime bien. Alors, on y va. Quel live, hein, quand même. Quel live. T'as pas les petites barrières bambou? Alors, je ne sais pas. J'aime trop comment t'as fait, merci, Israël. Fais attention, si tu les déterres, ça disparaît. Ouais, mais c'est pas mon genre. Je vais pas les déterrir. T'inquiète, Joe. C'est pas mon genre. Alors, je sais pas si vous étiez au courant, mais le débarras permet de faire un lien avec le grenier de la maison. Ça vous évite de faire des allers-retours. Je sais pas si vous étiez au courant. Je vous donne une petite astuce. En fait, avec le débarras, vous retrouvez tout ce que vous avez mis dans le grenier. Regardez, sans bouger de là où vous êtes. C'est sympa, hein. Je sais pas si vous étiez au courant, mais c'est une astuce que j'ai appris depuis le début. Et c'est vrai que c'est très utile. Au cas où, je pose ça là. Si vous étiez pas au courant. C'est bon à savoir, ouais, Nao. C'est bon à savoir. Bon, moi, je le savais déjà. Mais c'est bon à savoir. Oui, c'est une belle astuce, ça. Ouais, ouais, ouais. Au cas où, l'astuce, elle est là. Tu savais pas? Eh ben voilà, avec grand plaisir, si je peux aider. Hein. N'hésitez pas. J'étais passé à côté de l'info. C'est pas grave. Je suis là pour vous apprendre des choses dans Animal Crossing. Vous me donnez, je vous donne. C'est l'échange d'une belle discussion. Vous m'apportez quelque chose, je vous donne. Hein, c'est donnant, donnant. Vous me donnez de votre temps, je vous donne mon savoir. Que j'ai appris il y a 45 minutes. Mais c'est, il est mieux vaut tard que jamais, hein. Bon, super. Alors, donc, du coup, est-ce que j'ai des trucs que je peux ajouter dans le bois? Un bois très boiteux. Voilà. C'est dingue, c'est dingue. On en apprend des choses. Bah, écoutez, je vais essayer avec les décorations que j'ai là. On va voir. Oh, regardez, ça va être beau. Oh! Des chiottes fixes. Alors, j'adore les chiottes, mais je crois que ça n'a rien à foutre. Ça n'a rien à foutre. Oh, que ça va être joli. Oh là 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 là. Le bambuche. Le bambuche. Oh, que ça va être beau. La vigne géante. Papa. Alors, attendez, je vais pas laisser tout ça. Hein. Mais ça va être beau. Ça va commencer à sentir là. Les choses très jolies. Oh là là. Ça va être sympa. Bon, je mets un peu au pif pour voir. Ça, c'était pas là. Petit rocher jardin, c'était quoi ça? Oh bah oui, ça on peut lui mettre un petit rocher. Un petit rocher rejeteux. Oh ouais, c'est mieux que le rocher chewing-gum. ouais. Ça va être sympathique. On sent que ça commence à maîtriser Remodil. Ouais, grave. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je mets vraiment au pif. Et après, on va voir. Salut, si tu as des plantes aussi, la graine de bambou juste à côté d'un grand, je crois, ça fait une petite pousse. Ah! C'est une bonne idée, ça. J'en ai des pousses de bambou. C'est une bonne idée. Bon, là, je pose juste histoire de voir. Le banc vigne. C'était quoi, ça, déjà? Oh, bah ouais, ça va le faire, hein, tous ces trucs-là. Eh, tous ces trucs-là, ça va le faire. Tu tiens un truc. Oui, c'est ma manette, la manette, Nao. C'est la manette. Vous voulez que je la montre? Je la tiens, Nao. Ouais, c'est mieux pour jouer, Nao. C'est une manette. Ouais, elle est là. J'aime bien la faire chier. Ok, l'hôtel. Eh ouais, ça va faire... Oh, ça... oh, regardez comment ça va être joli. Oh là 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 là. Oh, que ça va être joli. Oh, misère. Oh, que ça va être beau. Ça va être beau. Genre là, je vais garder ce côté un petit peu... Vous voyez? Un peu antique, un peu ongle, manucure. Ça va être sympa. Et après, je vais mettre des arbres. Ah oui, ça va être trop beau. Ah ouais, ça va être super. La vigne, je la mettrai pas là. Hey, attendez, ça commence à ressembler à quelque chose là. Mon île, elle commence à être belle. C'est pas normal.
C'est pas normal. C'est un truc de dingue. Eh ben tant mieux hein. Eh, je crois que j'ai assez souffert. Eh, la vigne on la voit pas assez je trouve. La vigne elle sert à rien ici. La vigne elle sert à que dalle. La vigne elle est trop vignasse. On voit que ça va être beau comme tout ça. Oh, ouais. Il me faudrait limite des piliers comme ça ou des trucs comme ça un peu plus. Je vais regarder ce qu'il y a. Ah c'est vrai je vous donne des idées, trop bien. Oui Joe, je vais mettre des trucs sur les là. Sur les paliers. Je voulais mettre des petits gyroïdes. Et je peux mettre des petits fragments d'étoiles. Oh là là, vous avez des bêtes idées. Mais la vigne, je pourrais la mettre. Bah ouais, mais je l'aime pas. Où est-ce qu'elle est, la vigne? Peut-être là. La vigne, je la trouvais pas belle, là où est-ce qu'elle était placée. Peut-être dans le coin. Ouais, vous voyez, la vigne, elle me gêne. La vigne, elle me gêne. Bon, Avril. Ah, il faudrait peut-être que je mette des arbres. Ouais, ouais, ouais. Je vais aller chercher des arbres. Coffre à butin, taupière, des chiottes, des barras, bambuche. Ouais, après, j'ai pas tout, hein, mais je vais faire des commandes. Je vais commander sur Internet. Je vais commander sur Internet. Mais la vigne, j'ai du mal. Pourtant, la vigne, il y a un délire avec la vigne du pilier et tout, là. Mais la vigne, je sais pas. La vigne, elle me gêne. Elle me gêne. Elle me gêne là-dedans. La vigne me gêne. Mais ça fait féerique un peu. Je te vole ton idée. Fais-toi plaise. Elle me gêne, la vigne. Oh là, ouais, je sais pas. Peut-être là. Je suis pas. J'ai pas un coup de cœur avec la vigne là. Ouais. Ouais, ça me plaît pas. C'est difficile. J'ai pas un coup de cœur. J'ai pas un coup de cœur de dingue. Parce que l'objet est beau, mais là où je l'ai placé, j'aime pas. Peut-être là. Non, vous voyez, c'est trop gros pour rien. Ouais, je suis pas fan. Ouais, bon, je vais la placer là, mais je pense qu'elle va pas rester. Hein. Je suis pas très fan. Voilà, j'ai pas. J'aime bien l'objet en lui-même. Mais comme ça, je trouve pas que ça. Bon. Mais je vais laisser comme ça. Hein, je vais laisser comme ça. En attendant. Ok. On va pas se prendre la tête. Hey, on va pas se prendre la tête hein, pour une vigne vignante. Hein. Ouais. Ouais, il nous reste un quart d'heure de live. On va pas non plus se prendre le cul pour une vigne un peu vigneuse. Bon. On la pose là. Et puis on verra ça plus tard, et puis on passe à autre chose. Ah, on est bien d'accord, hein. Bon, attendez. On peut non plus prendre la tête. Parce qu'on s'en fout de la vigne. Et voyez ce pilier-là. Il faudrait que je change de couleur. Ah, me dis pas, il faut aller sur les vidéos. Oh, c'est bon. J'espère pas. Il me faut la même couleur que ça. Ah, me dis pas qu'il faut que j'aille sur l'île de Joe. Faut aller sur l'île de Joe. Non. Si, l'île de Joe. Non. Non, je suis sûr que je peux le faire en personnalisation normale. En normal. Avec le kit de personnalisation, je suis sûr que je peux le faire. Je suis sûr que je peux le faire. Ah, me dis pas la réponse, j'ai très peur. J'ai très peur de voir. Parce que la plupart des trucs, il faut aller sur l'île de Joe. Oui, je comprends. On va voir si je peux le faire. Oh là, je vais pas regarder le chat pour pas me faire spoil. Est-ce que c'est l'île de Joe ou pas? Dites-moi que non. S'il vous plaît, le jeu, soyez sympa avec moi. Je vous donne de mon temps, le jeu. Voilà. Faites-moi plaisir. Rendez-moi ce service. Ne me dites pas que c'est sur l'île de Joe. Voilà, que je peux personnaliser la... le poteau. Ah, j'ai peur. Cabine, non. Non. Ah. Ah bah voilà. Enfin, pas besoin d'aller sur l'île de Joe. Je peux le colorier. Ah. Ouais, je veux un pilier un peu moussu. Ouais, je suis un mec un peu moussu, moi. Je me sens moussu. J'ai géré mon examen sur l'anatomie. Ah, oh, trop bien, bravo Roma.
Je suis un mec un peu moussu. Ouais, j'adore. Allez, let's go. Voilà, on y va. Ouais, je l'ai déjà celui-là. Je l'ai déjà. Mets un établi sur la zone. Alors, la phrase n'est pas correcte. Tu devrais écrire... Tu devrais mettre un établi sur la zone de chantier. Le tu devrais. Et la réponse est non. Oh, j'aime bien ce qui se passe. J'aime bien ce qui se passe. La robe angélique, je suis un démon. Donc c'est pas fait pour moi. En plus je me suis pas épilé. J'ai plein les poils sur les jambes. Donc c'est pas la peine. J'ai une touffe tapeur. On dirait un grizzly. Donc je vais clairement pas mettre une robe angélique. Je suis grave touffe. Donc non. Ok. Bah écoutez, les piliers, sympathiques les piliers. Eh les piliers, j'adore. Oh, oh qu'est-ce que ça va être beau cette histoire. Piliers en ruine. Alors, les piliers, je vais pas les mettre là, je ne pense pas. Les piliers, moi des piliers comme ça, moi je les vois bien genre à l'entrée de la forêt. Hein. À l'entrée du bois. Non mais bouge de là avec ton bébé, il est con lui avec son... Avec son lance-pierre, il est con lui. Moi je vois plus à l'entrée. Mais faut pas que ça cache. Ouais, parfait. Je dirais même un petit peu plus... Oh, c'est pas mal, mais on voit pas assez. Je les mettrais à chouïa. Bah là où est-ce qu'ils étaient finalement hein. C'est la bonne idée. Ouais, c'est pas mal. Comme ça ici, un peu de fleurs, un peu de trucs. C'est pas mal. Est-ce que là il y a un sens? Oh, celui-ci est bon. Ouais. On n'est pas trop mal. Non, c'était mieux avant. Ouais, ça commence à ressembler à un truc, hein. Je suis content. Merci, je suis content que ça vous plaise. Ok. Il y a un délire, là. Il y a un délire délirant. Il me faudrait des arbres. Il me faudrait des arbres. J'ai pas beaucoup d'arbres. Il me faudrait des arbres. Un peu de tout. Oh, et bah écoute. Est-ce que je pique? Ouais, mais j'en ai pas beaucoup ici. Ou j'achète des arbres? J'achète des arbres? Dans le magasin, parce que j'en ai déjà pas beaucoup là-dedans. Hein. Ouais, je vais en acheter, ouais. Je vais en acheter. C'est quoi le thème de mon île? C'est grosse poubelle. Grosse poubelle, poubelleuse. Ouais, 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 ouais. Ouais, vraiment grosse poubelle. Grosse poubelle, mais qui a du charme. Et ça, c'est bien. Ouais, sympa le thème. GG pour les level up. Grosse poubelle, mais charmante. Grosse poubelle, sympa. Comment on cuisine dans Animal Crossing? Alors, il te faut une cuisine. Ok, alors du coup, on va acheter des arbres. Eh ben, écoutez, moi, je pense que je vais prendre pousse d'arbre et pousse de cèdre. On va en prendre... partie par partie. On va en prendre un petit peu. On en met à droite à gauche. Et puis qui vivra verra hein. On arrose tout ça de notre plus bel arrosoir. Avec l'eau bien hauteuse. Et puis on verra ce que ça donne. Hein. On fait un peu de hasard. Moi je crois que c'est bien. Ouais. On en prend 5. C'est clair. Et là on en prend 5. C'est ça, let's go. Fabien, je dois aller en cours, je dois quitter ton live malheureusement. Non! Non! Tara, non! Putain. Mais non, mais quitte pas mon live! Oh putain! Non, Tara, t'as pas le droit! J'ai pas fini de faire les plantations d'arbres! Oh non! Oh, qu'est-ce que je vais faire? Tara, elle s'en va du live! Ah non! Qu'est-ce que je vais faire? Mais enfin, j'accepte et mon cœur reste ouvert. A plus tard, à plus tard. Putain, on est déçus par les gens. Vous n'êtes pas obligé de me le dire quand vous partez. Hein. Partez, hein, vous avez chacun vos lives. Hein. Pas besoin de me le dire. Vous excusez pas, c'est déjà bien gentil de venir. Quelle bande de canailles.
Oui, c'est bientôt la fin du live. Dans 5 minutes, je me barre. Ça va, j'ai compris. Je vous dérange, je comprends. Je vais me casser, vous inquiétez pas, ouais. Oui, je me barre bientôt. Ça va. J'attendrai aussi de voir Racine. Il faut que j'aille voir Racine. Parce que lui, il a des buissons très sympas. Il a des buissons très sympas, Racine, aussi, là. Ouais, ouais. J'espère que je vais voir Racine, parce que surtout quand on voit Racine... Et je prends racine en toi. Donc, j'espère que je vais le voir. Allez, on va planter les arbres. Et on aura bien avancé dans le... dans l'île. Hein, moi, je suis trop content, déjà, de ce qu'on a fait. Hein. Je suis déjà super content de ce qu'on a fait. Hein. Franchement, on a bien avancé. C'était un live très productif, très travail. Très sympa. Voilà, alors les arbres. Des arbres bien arbreux. Voilà. Est-ce que j'en mettrais pas au hasard comme une forêt, hein, finalement? On va pas se faire chier. Et on va pas se faire chier. Et fuck, en fait, fuck. À part si... Ben non, tu peux pas mettre d'arbre ici parce qu'il va être collé au mur. Et après, bah tu ça va pas marcher. Puis... Donc, va falloir m'expliquer. Alors, ici, je vais mettre un arbre. Est-ce que j'ai le droit de mettre un arbre ici ou pas? Est-ce que ça marche? Mais c'est pas symétrique. Ah, ça va me faire péter un câble. Ah, non, il faut qu'il soit au milieu. Alors, je peux quand même, d'accord. Mais il est pas au milieu. Oh. Mais après, c'est pas grave, c'est pas naturel. Ok. Ah, je vais péter un câble. Mais il faut que ce soit naturel, mais... Ah! Non, je vais mettre un meuble. Non, non, je vais me sentir mal. Je... Oui, c'est ça. La forêt, c'est pas symétrique, c'est clair, c'est clair. C'est clair, je ne veux pas que ce soit symétrique. Mais je suis un peu toqué sur les bords. Et je me contredis tout le temps. Genre, oui, non, oui, un, deux, un, oui, non, un, deux. Donc, ne m'écoutez pas. Ne m'écoutez pas. Eh bien, écoutez, je vais mettre un arbre ici. Je vais mettre un... Je vais mettre un sapin. Allez. YOLO, YOLO. Un sapin, voilà, qui sera ici. J'aime pas quand c'est symétrique, mais je fais de la symétrie quand même. Voilà. Est-ce que je mets un autre arbre? Parce que là, si je mets un... Si je mets un sapin, il y aurait sapin, sapin. Mais du coup, ça sera symétrique quand même, hein. J'en ai marre. Non, ouais. Ouais, une forêt, c'est pas symétrique forcément, ouais. Ouais, ouais. Faut vraiment pas écouter ce que je dis. Allez, je mets un sapin. Parce que sinon, je vais me sentir mal. Voilà. Sapin, sapin. Ici, je vais mettre un arbre normal. Je me sens mal, je sais pas. C'est bien asymétrique, finalement, ouais. Ouais, ouais, non, c'est bien asymétrique. On va rester sur de la symétrie. Pourquoi se faire chier la bite? Oh ouais ouais, non mais la symétrie, je suis d'accord. Je trouve qu'on parle pas assez de symétrie dans la vie. Non, c'est bien la symétrie, oui oui. Oh, on va pas se prendre la tête. Eh, voilà, eh, la symétrie, on aime tout ça. Bah ouais. Bah on va se faire un peu de symétrie. Bon ouais. Qui n'aime pas la symétrie finalement? Eh, on nous fait chier à l'école avec des cours de géographie. C'est pas pour rien. De géographie, de géométrie. Ce n'est pas pour rien. Regardez ça. Voilà. Ça va être super. Un peu de symétrie, ça n'a jamais... Ça n'a au grand jamais dérangé quelqu'un. Regardez ça. Ça va être super. Voilà. Ça va être cool. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. C'est bon. Ça va. Je crois que je vais mettre que 4 arbres. Après, c'est pas un bois triboiteux quand même. Un arbre, un arbre, un arbre, un arbre. J'en mettrai un là, non? Je sais pas, là. Est-ce que j'en mettrai pas un là? Oh, j'aurais peut-être dû mettre un arbre. Je peux les enlever ou pas? Ouais. Là, je vais mettre un... Non, je sais ce que je vais faire parce que je vais péter un câble. Après, je vais être toqué. Alors, attendez, donc je vais mettre ça. Je vais mettre un arbre fruitier là. Je vais mettre un arbre.
Bah, non, c'est pas des arbres fruitiers, ça, j'en sais rien. Un arbre normal. Comme ça, ça fait arbre normal. Là, arbre normal, arbre normal. Et ici, sapin. Un sapin très sapineux. Voilà. Sapin. Et ici. Non, c'est pas là. Et ici. Sapin. C'est centré là ou pas? Attendez, il y a une couille ou quoi là? Attendez, j'ai l'impression que c'est pas droit là. C'est pas droit là, d'accord. Attendez. Attendez, c'est lequel là? C'est moi ou j'ai l'impression que c'est pas droit? C'est celui-là? Oh non! Pourquoi j'ai cette impression là? On dirait que celui de droite il est plus relevé que celui de gauche, ça fait trop bizarre! Merci Elite pour le follow! Wow. Eh, vous avez intérêt à être symétrique hein! Vous êtes sûr? Je prends une règle! Ouais, ouais, c'est bon, t'inquiète. Ouais, j'aime pas les t'inquiète. Bon, je vais prendre une règle. Je vais prendre une règle et on va mesurer tout ça. Je les arrose un peu. Mais c'est... on dirait qu'il est plus bas, celui-là. Ou alors je louche. Ah non, c'est bon, il est droit. Non, non, c'est bon. Oh, je suis con, j'avais mal vu. Ça va, c'est bon, c'est bon. Ouais, il est droit. On arrose les arbres pour qu'ils soient bien arbreux. Voilà. Voilà. Un peu d'eau, ça ne fait jamais de mal. Dans 20 ans ou 30 ans, il n'y en aura plus. Donc, regardez, voilà. Voilà, une petite douche aux arbres. Oh, quel bonheur. Quel plaisir. Oh, qu'est-ce qu'elle va être belle, cette forêt. Eh bien, écoutez. Voilà. L'objectif de ce live est atteint. On a déjà fait une belle, belle avancée. Ça va être super. On verra ça. On rajoutera des petits trucs la fois prochaine. Et c'est ce qui marque la fin de ce live sur Animal Crossing New Horizons. Bah écoutez, on a grave avancé. Ah ouais, c'était super. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Merci à vous, hein, bien sûr. Merci à vous pour vos aides, pour vos conseils. Merci, Joe, d'avoir envoyé la fontaine. Également, Zoltal, pour la fontaine que je n'ai pas prise. Mais surtout pour le rocher chewing-gum, hein, qui aura marqué le live. Merci à vous pour la force que vous avez donnée pendant ce live sur TikTok, sur Twitch. Moi, je vous donne rendez-vous. Bon, ce soir, je suis en train de jouer avec la commu. Je vais jouer à Genshin Impact. On va se faire des boss, on va se faire des temples. Voilà, avec, je serai avec Inata, je serai avec Tournesol et Floy. Ce sera ce soir à partir de 20h jusqu'à 23h. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à venir. Rejoignez le Discord, hein, si vous voulez poursuivre l'aventure Animal Crossing. Il y a un topic dédié. Le lien est dans la bio. Et merci les modos d'avoir été là. Joe, je vais te faire un screen de mon logiciel TikTok pour te montrer les nouveautés. Peut-être que il y a des trucs, il y a des nouveautés, je sais pas. Et merci à vous d'avoir été là, d'avoir donné votre temps pour vos conseils. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live Animal Crossing New Horizons. Je vous fais des gros bisous. Et ben si on se voit pas, je vous dis à ce soir. Bon après-midi. Ouais, je vais kiffer là, ça va faire du bien. Le soleil ici, ça va faire du bien. Gros bisous, merci à vous. Des bisous, bye bye.